non, tu sais, ce soir, je suis pas dispo, là. Ouais, bah, je fais, tu sais, le streaming, là. Ouais, bon, tu sais, bon, quelques tocards qui me suivent. Bon, je m'en fous, c'est pour faire de la pub, c'est tout. Bon, moi, bon, je vais pas traîner ce soir, non, j'ai pas trop envie, là. Ah, ils me cassent les couilles, en plus, les gens, ils sont pas... Ouais. Ouais, je le fais pour le boulot, tu sais. Ouais. Oh, c'est comme ça, quoi. Obligé, on est obligé. Ouais. Salut Michel, oh, ça va pas tarder à commencer là. Ouais, tu vois, le temps qu'ils arrivent, tu sais, c'est pas des lumières, moi. Pff, les mecs qui me suivent, c'est cool. Oh, ouais. J'ai pas une bonne communauté. Non, 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 mais je le sens, les mecs, ils sont pas. Ils sont pas nombreux, tu sais, ils sont une trentaine déjà. Puis franchement, les mecs qui regardent un stream, franchement, tu sais que t'as rien à foutre de ta vie, quoi. Non, mais faut être réaliste. Regardez un mec qui peint sur YouTube. D'autres choses à foutre de tes soirées, quand même. Hein. Ouais, écoute, m'en fous, moi. Tant qu'il paye. Ouais. Oh, t'as pas tardé à commencer, là. Ah, on est en ligne. Eh, bonsoir tout le monde. Alors, vous allez bien? Hein? Mais pas du tout, mais quel menteur, hein, bonsoir tout le monde. Alors, bonsoir Laurent Boucher. Bonsoir, je mets la figurine bien dans l'axe. Bonsoir Elisabeth. Fantastique photographe, Elisabeth. Fantastique photographe. Bonsoir ADC Model Shop, François Picky, Johan, avec qui on a fait un cours. Avec qui on a fait un cours de peinture qui a fait un très beau, une très belle bête là de Tainting Grail qu'on a commencé ensemble. Bonsoir Lolo, le belge fou. D'ailleurs, il a des devoirs, Johan. Hein. J'espère que ça va peindre, hein, Johan. Dark Julius, mon Dieu. Oh, je crois deviner peut-être qui ça peut être. Je suis pas tout à fait sûr. Je sais pas. Likez ta pu... Voilà, c'est bien. Voilà. Donc, mon responsable en communication, hein, qui très poliment vous invite à liker la vidéo, si c'est possible. Bien évidemment, on l'a pris parce qu'il était très donc Christ Mayer. On nous a dit, c'est tu vois, c'est un mec très pro, très cool, qui a un langage très châtié, très corporate. Enfin, vraiment, voilà. Il m'a fait les coups avant le cours l'autre jour, mais pas du tout. François Picky, ça change du cinéma muet. Ah, ouais, parce que tu as le son là. Ouais, François, je sais à quoi il fait référence. Il se moque, François. Voilà, il est pas gentil, François, pas gentil. De toute façon, il a même pas de photoportrait, François. Regardez. Alors, il y a un petit bonhomme, là, de base, là. C'est même... Voilà. Pff, minable. Franck Brison, ça balance. Ouais, mais voilà. Oh non, non, ce con de Johan fait yesh. Je vais torcher ça. Baku, bonsoir. Baku 69. Un érotique. Bonsoir, Papink. Il va falloir que je m'achète des lunettes, hein, les gars. Quel talent! Ah ouais, mais j'ai rien fait encore, attends. Tu vois ce que c'est quand je vais la sortir. Quand je vais sortir le pinceau. Enfin, quand je vais attaquer la peinture. Dominique Sautelet, un autre Belge. Oula, beaucoup de Belges. Beaucoup de Belges. Il y a combien de Belges là ce soir, hein? Une communauté belge en force là. Bonsoir Franck Lédier. Et voilà. Hein, j'ai dit bonsoir un peu à tout le monde. Là, on est bon. Je vérifie que tout fonctionne bien, les copains. Tac, 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 on est 22 spectateurs simultanés. On a le truc pour régler la caméra qui va bien. Le machin. Le son, a priori, c'est bon. Sinon, vous me dites, hein, si c'est pas bon. Eh oui, Julien Dupont l'infiltré, mais évidemment. Allez, allez, allez. Julien Dupont. Bonjour, comment vous appelez? Monsieur Smith. À d'autres, hein. Non, mais on saura qui c'est, on saura qui c'est. Moi, je soupçonne que c'est un peintre pro d'une autre communauté qui vient voir un peu comment ça se passe, tout ça. Vous voulez les clients. Ouais, c'est un truc. Hey, monde de la peinture sur figurine, c'est un monde dur. C'est un monde. Allez. Les mecs entre eux, c'est des chiens. Ah, c'est d'une violence. D'une violence. Je plaisante, bien évidemment. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais. En tout cas, j'ai pas vu, j'ai pas contesté. Alors, voilà ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors, pour ceux qui prennent le truc en live, ils vont se sentir spoilés. Ils vont dire, attendez,
Le mec, il me dit qu'il leur croque, il a déjà fait la moitié du boulot. Bah ouais, bah, je savais pas comment nommer le truc. Parce qu'au début, c'était premier live, c'était pour travailler le cuir. Et qu'il leur croque était un bon sujet pour se faire, puisqu'il a un gros cuir, un peu, voilà, travaillé un peu un cuir usé. Voilà, on avait fait un peu des. On avait tenté des trucs hein, sur la partie bas. Je sais plus qui c'est dans le chat qui nous avait aventuré à tenter des trucs. C'était de la merde. On a été obligé de tout refaire. Hein, le résultat, normalement, ça devait durer 2 heures. On s'est tapé 2h30. Je sais qu'il se dénonce. Je ne sais pas s'il est là ce soir. On nous a dit, ouais, ce serait pas mal, on tente ça, on tente ça. Bah, c'était caca. Voilà, on a été obligé de tout reprendre. Voilà, on a perdu du temps. Donc, on a fait ça. Et là, ben, on va attaquer la peau du Killer Croco. Hein. Après, je renommerai peut-être les vidéos pour dire, genre, la vidéo 1, travail du cuir, et en même temps, Killer Croc, phase 1, tu vois. Et dans une deuxième vidéo, la peau du bestiau, etc., etc. Alors, on va attaquer. Hein. Tout le monde est là. Bonsoir, Iscor. Bonsoir, Floflo. Ah, je t'ai manqué, Johan. J'ai vu les rediffs. Ah, Julien et Johan, ils se connaissent, d'accord. J'ai bien ri. Salut les copains, salut Monsieur Zeus, salut Laurent Bourrière. Laurent Bourrière, grand ami des abeilles, Laurent Bourrière. Et qui a une barbe magnifique. Hein. Une barbe, une chevelure, il a un poil très soyeux, Laurent Bourrière. Très très soyeux. J'ai pas touché, mais au visuel, on voit qu'il met, on voit qu'il prend très soin de sa nourriture parce qu'il a vraiment un poil. Ouais, entre le. C'est très doux, c'est très, ça se voit, c'est beau, bel homme, Laurent Bourrière. Bon, je ne mange pas de ce pain-là, hein. Je suis plutôt attiré par le sexe opposé ou les personnes âgées, mais Laurent Bourrière, très bel homme, très très bel homme. Salut, salut Zos, première fois que je me pointe chez toi pendant un live. Ah, bah écoute, bienvenue, ce sera peut-être la dernière, hein. Il y a des chances. Hein. La musique, c'est pas trop fort, vous nous dites, hein. Vous me dites, Julien nous connaît tous, mais oui, Julien, il connaît tout le monde, on le sait, le mec, il est infiltré partout. Tiens, on entend ma petite carriole, hein. Peut-être un cambriolage ou un truc comme ça. Oh, ce serait le genre, ce serait le genre. Picsou, bonsoir à tous. Et Laurent Bruyère, t'es con. Eh ben on va commencer là-dessus. Écoutez, exactement. Voilà, en avant Guingamp. Alors, les gars, on va peindre. Le live, on discute de ce qu'on veut. De la pluie, du beau temps, du Batman, de pas de Batman. On fait ce qu'on veut. Hein. Et puis surtout, si vous avez des questions sur pourquoi tu fais ça, comment tu fais ça, ben vous les gardez. Hein. Pourquoi je fais? Ben, je fais un peu ce que je veux, c'est mon live. Donc voilà. Et à un moment donné. Mais non, je blague, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour peindre ce Killer Croc? On va peindre, on va essayer de coller un peu à l'artwork. Alors, soit on fait tout vert, mais tout vert, bon, c'est un peu. Voilà. On peut s'amuser un peu plus. Ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de faire, alors un peu comme bah, l'illustration officielle, je crois qu'elle parle là-dessus, hein, dans pas mal de comics, il est un peu fait comme ça aussi. On va essayer de faire un ventre, ça marche beaucoup ça sur les créatures humanoïdes type orque et compagnie, de faire une partie ventrale d'une autre couleur. Mais comme on ne veut pas passer la vie des rats non plus là-dessus, hein, partir sur un blanc comme ça, vous pensez que c'est pas mal ça? Ça matche bien ces deux couleurs-là? Hein, ça matcherait bien ça. Surtout qu'on va l'assombrir un peu avec des jus, le bousin là. Allez, je me fais un petit jutas d'ananas. Petit jutas de ça. Il n'y a pas de zik, mais je plaide pour la. Il n'y a pas de zik? Comment ça, il n'y a pas de zik? Si, non, il y a de la musique. Je vois même le petit truc audio qui bouge. Quel menteur! Qui c'est qui dit qu'il n'y a pas de zik là? Hein, c'est un menteur, fieffé menteur. Hein? Salut Zos, ça va? Bah, toi, très bien, Benjamin. Les animaux, non? Oula, ouais, ça part en couille. Ça fait même pas 2 minutes qu'on est là, ça part déjà en sucette. Je le vois, je le sens. Je le sens que ça part en sucette. Allez, on se cale bien dans son siège et on regarde le maestro jouer du pinceau. Allez, c'est parti. Le pinceau, il a pas, excusez-moi. Zos, pense à montrer ta palette de temps en temps, s'il te plaît. Eh ouais, je sais. Ouais, Johan, il pointe un de mes points faibles, Johan. Et ouais, il frappe sous la ceinture. Il le sait. La palette, je l'ai dit. Et je lui ai dit à Joanne d'ailleurs quand on était en cours, c'est à mon avis aussi important que ce qui se passe sur la figurine. Quand on veut prendre des cours ou qu'on regarde quelqu'un peindre et qu'on veut un peu apprendre de comment qu'il fait. C'est pour ça que j'ai essayé de mettre un peu là, vous voyez. Celui qui fait ça très bien, moi j'arrête pas à être aussi efficace, c'est. Comment qu'il s'appelle? Comment qu'il s'appelle? A440. Excusez-moi, j'ai des réflexes à la con. C'est parce que c'est les chansons de la petite, ça me bouffe le cerveau. Oh, bref, un peintre YouTube que j'apprécie beaucoup. Parce qu'il est très très fort. Et en plus, alors là, pour le coup, ses tutos, ils sont super soignés. Il arrive bien à filmer sa palette et sa figurine en même temps. Moi, je suis un peu. Je suis moins doué là-dessus.
Donc moi, le top, ce serait que je m'achète une deuxième caméra palette. Grâce à mon Tipeee, par exemple. Tu vois. Je dis ça, je dis rien. Hein, vous avez des liens si vous voulez tipper. Pas obligé de mettre beaucoup. Hein, prix d'un café, ça marche aussi. Hein. Attendez. On n'est pas non plus. Après, si vous voulez mettre toutes vos économies. Oui, faites-le. Ouais, mais oui, bah, faut vivre. Hein, voilà. Non, pas de musique. Mais lui, mais il y a de la musique, Ludic Family. Qu'est-ce que tu racontes qu'il n'y a pas de musique? Non. Quel menteur. Je l'entends là. Oui, on est peut-être très faible. Bon, mais c'est très bien. Oui, j'ai pas mis la playlist western. J'ai pas eu le temps. Je bosse, moi. Hein, voilà, me fiefer la nouille, là. Mais c'est toujours mieux que la semaine dernière. D'accord. Bon, allez, on attaque. Alors, on voit qu'on a... Alors, avant d'attaquer, on analyse. Il y a un petit pantalon. Pantalon, je pense qu'on va faire genre échappé de l'Asie d'Arkham, donc ça va être un peu dans les tons orangés. On va pas faire un orange trop flashy, parce que sinon, le pantalon va trop ressortir. C'est pas le but. Hein. Le but, c'est pas qu'on voit juste un pantalon, c'est quand même qu'on voit la figurine. On reviendra sûrement travailler un peu le dessous de notre manteau. Il y a une grosse mouche qui s'est posée sur mon doigt, dis donc. Mais qu'est-ce que ça fait? Mais elle est folle. Elle a des belles couleurs. Vous avez vu la couleur de la mouche? Magnifique. Casse-toi, merci. Et casse-toi. Non, là, c'est pas bon non plus. Non, c'est pas bon non plus, là. Bon, elle veut pas partir. Mais qu'est-ce qu'elle fout sur la... Mais c'est dingue. Et je crois que j'ai jamais eu ça de ma vie. Une première mondiale. Une fille. Vous avez déjà vu comment c'est foutu une mouche en gros plan? Extraordinaire. Hein. Elle est costaude quand même. Hein. Elle est verte. C'est pas dangereux, les mousses vertes. Hein? Mais casse-toi, bordel. J'ai quand même pas... Hein? Bon, merde, elle est tombée dans l'eau. Elle est tombée dans l'eau. Elle se noie. Non, elle est ressortie. Mais va-t'en. Excusez-moi, je gère un invité surprise. Excusez-moi. Donc, vert. On va peindre la partie ventrale, un peu comme les animaux, les reptiles, tout ça. C'est souvent un peu plus clair. Donc, on va se peindre ça un peu couleur beige clair, vous voyez. Partie ventrale, là, jusque là, tac, tac. Ça apportera un peu de variété. Ça va être intéressant aussi de faire les mimines comme ça, je pense. Hein, un peu les paumes. Voilà, l'intérieur des paumes. Peut-être un peu l'intérieur du poignet, là. Et puis après, ça vert, peut-être un peu de retour ici, de beige, là, sur les genoux. L'idée, c'est d'essayer d'avoir un peu de... Voilà, un peu de variété dans notre schéma, hein, que ça ait un peu d'allure. Et puis, on va travailler ça dans le frais. Hein, d'accord. Le frais, vous connaissez. Vous connaissez le frais, les copains. Alors, comme je disais à Joanne, la couche de base, hein, c'est une couche de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va pas s'amuser à hyper... comment dire? Ça n'a pas d'intérêt, selon moi, que de trop diluer. Voilà, sur cette couche de base-là. Voilà, on va s'arrêter un peu à la moitié, jusque-là. On va faire pareil de ce côté. Voilà. On peut un peu déborder, parce qu'évidemment, tout ça, on va le reprendre après. Non, là, c'était pas la bonne couleur. Je suis con. Là, c'est ça qu'on fait, là. Allez, c'est du... Ah oui, travailler dans le frais, hein, c'est très subtil, c'est plaf, hein, retenez bien le mot, plaf. C'est-à-dire que le but, c'est voilà, qu'on ait une petite jonction, déborder sur mon costume aussi, vous voyez, déborder un peu sur mon costume, bon, c'est pas très grave ça, on viendra rattraper le coup après, hop, voilà, le but... C'est ici, voilà, d'avoir une jonction entre les deux, mais qui soit pas complètement nette, parce que ça fait pas très naturel sinon. Donc le but, c'est que notre jonction, là, entre les deux, entre le vert et le... Elle soit un peu, comme on dit, approximative, un peu floutée. Et pour flouter cette jonction-là, eh ben, on travaille dans le frais, hein, on va pas s'embêter la vie. Donc c'est-à-dire qu'on se sert de notre figurine comme d'une palette, et pendant que ça sèche, eh ben on fait nos petites affaires. D'accord? Voilà. Là, vous voyez, tac, 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 travaille dans le frais. Je reprends un peu de verre à côté. Tac, 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 tac. Voilà. C'est bon, c'est fait. Hein, on va pas s'embêter. Plus que ça. Là, ici, on va continuer notre travail de peinture. On peut peut-être faire revenir un peu le vert, là. Hein, histoire que ce soit pas juste... Voilà. Et puis là, bah, écoutez, dans le frais, hein, toujours pareil. Alors, vous voyez flou, donc c'est pas top. Donc, on va essayer de corriger ça. On va
essayer de corriger ça tout de suite même. Pourquoi la mise au point se fait pas bien d'ailleurs, hein. Normalement j'ai mis zoom automatique, mais bon, j'ai l'impression qu'il a du mal sur le zoom automatique. Donc on va faire là et là, et on va faire la mise au point nous-mêmes parce que sinon ça va pas marcher. Là ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, on regarde ça comme ça pour le moment. Donc vous voyez, l'idée c'est dans le frais. Voilà, dans le frais, je tapote à la jonction de mes deux peintures là. Je repasserai une couche s'il faut. Et ça me permet de flouter mes transitions et d'avoir un rendu un petit peu plus naturel et intéressant. Et puis surtout, je gagne du temps, vous voyez. C'est si je dois commencer à me faire... à m'embêter. Surveille son langage. À faire ça, pas dans le frais, c'est long, quoi. C'est long, alors que dans le frais, ça se fait très bien, finalement. Voilà, on a fait ça. Là, les cuisses... On va revenir sur du vert. Je l'ai presque... Je l'ai trop dilué, là, mon vert, vous voyez. Donc, il va falloir que j'y revienne. Moins dilué. Parce que comme j'ai trop dilué, il marque pas. Il va dans les creux, donc il est trop léger. Et moi, ça m'intéresse moins, du coup. Voilà. Ici. Je suis tenté d'aller taper dans mon... pour faire les genoux, hein. Ouais, on fera un peu les genoux comme ça, hein. Un peu plus clair. Ouais, ce serait pas mal sans les genoux un peu plus clair comme ça, hein. Comme ça, voilà. Donc les genoux un peu plus clairs, pourquoi pas, ça se tente. Voilà, bon, c'est une couche de base, hein. Donc on s'en bat les rostons, on va vite. On fait pas ça, c'est pas là que se situe le travail. Là, l'idée, c'est de mettre une couche qui soit suffisamment fluide. Alors, je peux ne pas trop diluer ma peinture, hein, même quasiment pas, selon les marques de peinture. À partir du moment où j'étale, même si j'ai beaucoup de peinture sur mon pinceau, ça va marcher. Alors, les petits détails qui peuvent être qui matchent souvent, ça, là, vous voyez, c'est pas inintéressant de refaire comme si c'était la paume des pieds, voyez, enfin la paume des mains. Donc je vais revenir avec mon clair comme ça là, parce que je pense que cet effet il est assez intéressant. Voilà, là il suffit de vous inspirer de ce que vous voyez dans les dessins, dans d'autres peintures, d'autres peintres, et vous verrez que c'est toujours intéressant que d'aller chercher comme ça des coloris sur les paumes des mains, le dessous des pieds, voilà, d'aller chercher d'autres coloris comme ça, le ventre, là, comme on l'a fait, vous voyez. Toujours plus intéressant que d'avoir un bonhomme tout vert, quoi. On fera les ongles noirs, je pense, parce que c'est joli. Là, je reviens ici faire ma couche de base, donc pareil, hop. Je finis ma petite base, et puis après, je lis vos commentaires, exactement, les copains. On va voir ce que vous me dites, si vous avez des questions là-dessus. Voili voilou. Voilà, et donc la peinture, elle n'est pas diluée. Vous voyez, je l'ai posée sur ma palette et je la prends avec mon pinceau. Et j'y vais, quoi. Hein, j'y vais gaiement. Voilà. Là, vous voyez, mon vert, je suis approximatif, hein, je m'en fous. Le but, c'est pas d'être soigneux. Il faut pas être soigneux trop tôt. Souvent, le défaut qu'on peut avoir et dans lequel on plonge assez facilement quand on est peintre débutant, c'est d'être à la recherche du résultat tout de suite. Alors qu'en fait, le résultat, il se fait par étapes successives. Parce que si vous êtes à la recherche du résultat tout de suite, ben, en fait, vous ne faites pas ce qu'il faut. Il faut analyser ça comme des filtres, hein. Là, c'est un premier filtre. Évidemment que ça ne va pas rester comme ça. Donc il ne faut pas s'attendre sur un premier passage à avoir une couleur qui soit bien appliquée, opaque comme il faut, qui couvre tous les espaces. Non, c'est évidemment pas comme ça que ça va marcher. Donc c'est pour ça qu'on peut déborder bien comme il faut, parce que bah, voilà, ça se reprend. Hein. On est en train de peindre un petit bonhomme. No stress. C'est de la peinture. Hein. Je ne suis pas content de la couleur que j'ai mis. Pouf, j'en mets une autre dessus. Et c'est terminado. De temps en temps, je trempe un peu mon pinceau quand même, hein.
voyez comme je charge. Je décharge un petit peu sur ma palette quand j'estime avoir pris un peu trop de... Voilà, mais le soin, c'est pas ici qu'il intervient. Et dans le frais, c'est intéressant parce que ça me fait déjà mes petits mélanges, vous voyez. Voilà, que je vais venir renforcer après. Voilà, ici, vous voyez, c'est en train de sécher. Et ben, hop, voilà, dans le frais. Voilà, vous l'avez, votre dégradé. Beaucoup plus vite. Et ça fait largement le job pour un travail préparatoire. Voilà. Là, on commence à avoir un truc qui ressemble un peu à quelque chose. On va revenir un peu le ventre ici. Remonter un peu sur les pecs. Alors, pourquoi je remonte un peu sur les pecs ici? Parce que c'est intéressant de ne pas avoir juste une bande, mais d'avoir à un moment donné quelque chose qui épouse la forme du muscle. Parce que ça permettra déjà de mettre en valeur ce pectoral là, donc double utilité, et puis de encore une fois de surprendre, de casser une monotonie qui pourrait s'installer avec juste une bande. Bon, bah, ok, c'est une bande, mais hop là, non, là je la fais remonter, vous voyez, sur le muscle, comme si après cette couleur claire allait rejoindre un peu les épaules. Et vous remarquerez que souvent cette robe là, ce skin là, il est souvent réutilisé pour beaucoup de monstres humanoïdes. On fait souvent du deux couleurs comme ça. Parce que c'est un peu plus de cachet qu'une seule, et c'est toujours intéressant. Et c'est souvent dans ces endroits-là que je suis en train de traiter que va se situer la limite entre les deux couleurs. Hop, dans le frais, je tapote. Voilà, donc avec un pinceau, on n'est pas obligé toujours de passer un pinceau dans le sens des poils. Hein. On peut tapoter, on peut tirer la peinture, on peut... Voilà, hein. Un pinceau, ça sert à tout ça. Et alors, ce qui va être aussi très intéressant sur cette figurine, c'est qu'elle est très texturée. Donc là, pour des résultats tabletop, et même pour des résultats autres que tabletop, je pense que dans le travail, c'est intéressant, à un moment donné, assez tôt, de fonctionner avec des lavis. Hein, ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps, ça aussi, sur la mise en peinture de notre figurine. Et là, le genou, j'ai oublié de le traiter plus clair. Hop, c'est pas grave, j'y reviens maintenant. Voilà, tac, tac, tac. Un peu de verre pour fondre tout ça. Voilà. Parfait. Et je reviens avec mon verre foncé. Sur les parties qui ont déjà séché, hein, tant qu'à faire. Donc là, le dessus de la tête, ça a déjà séché. Maintenant, je vais faire les mimines. Si je sors du cadre, vous me le dites. Hein. Alors. Qu'est-ce que vous racontez de beau, les copains? Petite question, j'aimerais faire un masque de sphinx des nouvelles figurines luminettes de Age of Sigmar en façon céramique blanche, comme je peux le faire en couleur Army Painter. Merci d'avance, Zoz. Comment je peux le faire en couleur Army Painter? Eh bien, le problème, c'est que j'utilise pas de couleur Army Painter. Par contre, à mon avis, ce que tu peux faire, c'est utiliser une couleur ivoire, quelle qu'elle soit, Army Painter, P3, Games, peinture Leroy Merlin, enfin bon, j'exagère un peu, mais tu peux utiliser tout ce que tu veux qui est destiné à la peinture sur figurine, n'importe quelle marque. Je pense que ce qui fonctionnerait bien, c'est une couleur un peu crème ou œuf, ou ivoire. Ivoire, ça fonctionnerait très bien. Et après, tu mets du vernis à la fin sur ton travail. Comme ça, ça va lui donner l'aspect brillant que tu recherches, à mon sens. Voilà. Enfin, moi, je ferai comme ça. En tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les copains. Si vous avez des conseils à lui donner, n'hésitez pas. Hein. Certains ont un loup comme familier. Zoz a une mouche. Ouais, c'est moins classe. C'est moins classe, hein, c'est sûr. Elle est où, d'ailleurs? Ah, elle repasse. Regardez. Hey, je l'ai... C'est dingue, je l'ai appelée, elle est venue. Vous avez vu? J'ai dit, elle est où? Elle est venue. Vous croyez qu'elle comprend ce que je dis? Petite mouche. Vol, va-t'en. Non, on est en train de sécher. Fais pas ça. Elle est mignonne. C'est bien, c'est mignon, hein, petite mouche qui vient me voir. Mais non, je blague. Elle est toujours là. Cette mouche. Alors, on continue. Est-ce que je dois partager si je fais des vidéos payantes? Est-ce qu'elle aurait le droit de réclamer quelque chose? Tu es pas la connasse, hein? Bon, là, en l'occurrence, c'est pas payant. Mais bon, on sait jamais.
Voilà, intéressante ces mains-là, très texturées. Là, putain, mais oh, mais elle est... Hey, je sais pourquoi, parce que c'est le seul endroit de la pièce où il y a de la lumière. C'est pour ça qu'elle vient nous casser les rouleaux. Cette mouche. Je pense. Alors là, hop, voilà. Et l'intérieur des mimines, couleur chère, couleur pas chère, couleur flèche, je sais pas quoi, là, très claire de chez Games. Une espèce de couleur œuf. Hein. Ça me va très bien, moi, pour faire l'intérieur des mimines. Voilà. Alors c'est un peu vert, vous voyez, parce que je travaille dans le frais. Mais c'est pas grave. Ça se confirme après ça. Voilà. Plus intéressant, vous voyez, que d'avoir une main toute verte, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les copains? Travailler comme ça. Voilà. Les griffes, on les fera noires, je pense. Hein. Tout noir. Voilà. Allez, on va faire cette mimine là maintenant. On va essayer de se mettre dans le cadre pour peindre, ce serait pas mal. Hein, le principe d'un stream, c'est quand même que les gens qui regardent voient ce qui se passe. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Je peins tout seul chez moi. Enfin, chez moi, oui, je peindrai toujours chez moi. Je vais pas peindre chez quelqu'un. À un moment donné, il faut être logique. Je vais pas partir de chez moi parce que je fais pas un stream. Hein? Enfin, je veux dire, c'est logique ce que je dis quand même. Je comprends. Tac, 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 tac. Bon, évidemment, je me soucie pas des griffes et des compagnies. Hein. Pour l'instant, je peins tout. Hein. Comme je disais aussi, je dis souvent en cours, hein, aux élèves, les détails, pour l'instant, ils n'existent pas hein, dans ma tête. Hein. Ils doivent pas exister. Hein. Les griffes, là, si je commence à dire, oh là là, j'ai débordé sur ma griffe. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Débordé sur la griffe. Si tu commences à maintenant à te stopper sur j'ai débordé sur ma griffe. Tu vas pas avancer quoi, tu vas être trop prudent. Résultat, tu vas pas être détendu du pinceau. Et si t'es pas détendu du pinceau, c'est voilà. Hein? Rappelle-toi la dernière fois que t'as pas été détendu du pinceau. Ça s'est pas bien passé. Voilà. Tu gardes pas un souvenir impérissable. Bon, ben voilà. Faut être détendu du pinceau. Voilà, je viens avec, vous voyez, un peu de vert, un peu de marronnage. Je fais tout ça un peu dans le frais, hein. Tout est frais, hein. Vous voyez, mon sopalin il est frais, moi je suis frais, tout le monde est frais. Tout est frais, de manière à pouvoir après. Voilà. Et quand, vous voyez, je trouve que c'est un peu vert là, ben voilà, mais c'est pas grave. Je reviens maintenant confirmer avec ma couleur là. Voilà, je viens l'intensifier un peu. Et puis là, je trouve que c'est peut-être un peu trop. Voilà, ça manque un peu de transition. Ben voilà, ça y est, c'est fait. C'est fait ma transition. Là aussi. Je trouve ça un angle de transition. Pourquoi c'est tout noir? Hein, ça y est, c'est revenu. Et ben voilà, hop, c'est fait. Hein, transition, elle est là. Tac, tac. Là, je remonte un peu. Et ben, j'ai été tapoter du vert dans ma palette. Vous voyez? Mais toujours avec mon œuf sur mon pinceau. Et puis dans le frais, tiens, je reprends un peu de vert. J'essuie mon pinceau parce que j'ai pas besoin de beaucoup. Hein. Touc. Voilà, c'est fait. C'est fait, c'est fait, c'est fait. Voilà, on a fait tout ça. On va sûrement remettre une couche de verre un peu partout parce que ça suffit pas. Une couche, vous voyez, c'est pas propre, c'est approximatif. Donc, il va falloir remettre une couche de. J'ai un truc qui s'éteint, je rallume. Hop là. Remettre une couche de verre. Voilà, les copains. Alors. Qu'est-ce que vous dites de vous? Salut à tous, Christophe Vignon, Seb, bonsoir. Chris 37 Vignoles, 12 likes, sérieux, tu fais quoi? Mais oui, qu'est-ce que tu fais, Christian? Tu. Hein? Attention, ta place, c'est pas. Y en a plein des mecs au portillon hein, qui voudraient prendre ta place. Hein. Ok? Ok, Christian? Hein? J'ai abandonné, que voulez-vous? On regarde, mais on met pas le pouce en l'air. Tout fout le camp. Voilà, tout fout le camp. Il a raison, il a raison. Bonsoir la compagnie. Bonsoir Philippe. J'ai failli t'oublier, Philippe. J'ai adoré le regard de psychopathe après le blâme sur le bureau. Mais non, mais elle est là. Elle est toujours là. Hein? T'es où, copine? Tu voles un peu moins bien maintenant, forcément. Hein? Ça fait un petit coup dans le. Bon. Va négocier, ouais, va négocier le droit à l'image avec une mouche ou avec son agent. Ouais, c'est chaud, hein. Tu fais comment? Tu dis, ouais, le droit à l'image, comment tu fais pour t'expliquer avec une mouche? La mouche, elle est carrée, elle, hein. Elle a une idée, c'est. Voilà.
Et puis elle revient à la charge. Et tu peux pas discuter. Le meilleur négociateur que je connaisse, c'est la mouche. Tu vas vouloir faire une séparation entre la couleur verte et crème, très marquée, ou en dégradé fondu. Ben un peu comme j'ai fait là, tu vois. Un peu fondu, un peu mi-fondu, mi-pas fondu. C'est un peu fondu, mais pas trop non plus. Hein. Le but, c'est pas de faire un dégradé, c'est quand même qu'on voit une nette démarcation entre ça et ça. Mais si je le fais trop net, ça paraît artificiel. Donc c'est intéressant de tapoter un peu à la jonction des deux avec une couleur intermédiaire, tu vois. Histoire que ça fasse une transition quand même bien visible, mais qui soit quand même un peu douce. C'est le but. Moi, ma femme préfère quand j'ai le pinceau vigoureux. Mais oui, Christophe, exactement. Voilà, vigoureux le pinceau. Et pour avoir le pinceau vigoureux, eh ben, si tu commences à te laisser bouffer par les détails sur les premières étapes de peinture, t'as pas le pinceau vigoureux. Hein? Voilà, faut y aller. Ah, pinceau vigoureux. Dieudo sort de ce corps. C'est vrai, putain, j'ai pas mal de tripes de... C'est pas bien, parce qu'en plus, Dieudo, il est pas fréquentable, apparemment. Moi, je l'ai suivi très tôt. J'ai suivi très... avec un pote, je veux dire, on est toujours à fond, hein, faut être honnête. Hein. Après, il y a des trucs, sur lesquels on va dire on suit pas le bonhomme. Hein. On va pas sur tous les terrains, mais on trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même un gars qui avait un putain d'humour, moi je trouve, qui était très bon en tout, en spectacle, voilà. Bon, après, ouais, il a été très borderline. Après, les médias l'ont rendu plus borderline que ce qu'il était véritablement, je pense, en toute sincérité. Moi, je pense pas qu'il soit extrémiste, facho, tout ça, du tout. Je pense pas du tout. Moi, je le suis pas, hein, évidemment. Je le suis pas. Enfin, sauf les mouches. Les mouches, j'ai du mal. Les mouches, Hop. Et voilà, et voilà, et voilà. Et je trouve, ouais, que c'est dommage. Après, il continue un peu sur le web, mais je crois qu'il a même plus sa chaîne web, là. Je crois que c'est terminé. Il faisait un peu des trucs qui étaient très corrects, hein. C'était pas du tout tendancieux, hein. Sur le web... peut-être aller 2-3 trucs qui étaient un peu borderline, mais c'était pas voilà, je trouve que c'était pas à la hauteur de ce que les médias voulaient nous faire entendre sur le personnage, je trouve, de manière générale. Un autre que j'aime bien aussi, c'est quand il s'appelle là, celui qui fait qui a un humour noir aussi, qui vend 2 pièces à Beyrouth, comment il s'appelle, c'est Jérémy Ferrari, j'aime bien aussi, très bon, je trouve. Très très bon, Jérémy Ferrari. Drôle. De toute façon, faut pas se leurrer, hein, les gars. Moi, je trouve que pour que ce soit drôle, faut souvent que ça picote un peu, quoi. Hein. Le bonheur, ça fait rire personne. Vous regardez un film où tout le monde est heureux, vous allez pas rigoler. Hein. Donc, voilà, partant de là. Après, je suis d'accord, il y a quand même aussi un peu des... Il y a des limites, comme tout. Mais c'est très compliqué. Très compliqué. Sujet très compliqué, je pense. Alors, faire une séparation de couleurs, moi ma femme, voilà, ta couleur, Dieudo sort de ce corps, Benjamin Cortez, voilà, je n'ai rien raté, Dieudo le meilleur et de loin, ouais, non mais je recommande. Et puis ce qui est fort, c'est que, bon, je suis un peu comédien aussi, donc j'ai eu l'occasion de discuter avec, discuter, c'est un bien grand mot, mais bon bref, pas vous raconter toute ma life, mais avec des comiques qui alors pas en vrai, hein, enfin pas en vrai, des fois en vrai, des fois pas en vrai, mais... en fait, entre guillemets, le disent pas, le crient pas sur les toits, mais il y en a un paquet qui trouve qu'il est très très bon et qu'il a inspiré, moi je vois, il a inspiré beaucoup. Vous prenez par exemple une fille qui est très drôle aussi, mais elle s'inspire énormément de Dieudonné. C'était. J'ai un problème avec les noms là. Française, comique, qui passait chez Ruquier. On va faire des lives avec des questions. Mais qui répond le premier, il a le droit à un cours et tout. C'est très rigolo ça. Comment s'appelait cette femme-là? Vous voyez qui je veux dire là? Qui avait à un moment donné, faisait une petite chronique là chez Laurent Ruquier, comique. Et après elle a eu une carrière qui a décollé là, un truc de fou. Ferrari. Ouais, un génie. Non, ouais, Ferrari. Et l'autre c'est... Oh putain! Veut pas me rappeler, enfin c'est cette comique là française, elle s'inspire énormément de Dieudonné, hein. C'est pas dit ouvertement, mais alors les personnages, la manière dont elle les joue, etc. Moi j'ai pris énormément de tics, hein, à force de regarder, j'étais tellement à fond là quand j'étais jeune, ça m'a j'ai été élevé,
J'ai beaucoup kiffé la période Élysée Moon Dieudonné, quoi. J'ai été à fond, à fond, à fond, à fond. J'ai adoré cette période-là. Dieudonné tout seul aussi, très très bon. Bon, puis après, c'est parti en coquillette. Parti en eau de boudin. Alors après, vrai, pas vrai. Après, c'est un mec têtu aussi, je pense. Donc peut-être que il n'a pas trop envie de capituler, on va dire. De dire ouvertement. Après, il l'a dit, hein, ouvertement. Hein, et je ne suis plus sûr quel. Bon, après, les médias s'en font pas un grand écho, mais il avait expliqué très clairement hein, qu'il n'était pas du tout antisémite. Hein. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il a eu des trucs. Des comportements très, très borderline. Mais j'ai quand même du mal à considérer que ce mec-là soit vraiment antisémite. Ouais. Enfin, antisémite, après, c'est toujours pareil, parce que ces sujets-là, ils sont très compliqués. D'ailleurs, même le mot, ça se trouve, notre vidéo, elle va se faire kicker. Mais ces sujets-là sont très compliqués, parce que antisémite, c'est pas pareil que raciste, qui n'est pas pareil que. Enfin, bon. Même déjà dans les termes, c'est très. On peut jouer énormément sur les mots. En tout cas, c'est des sujets hyper glissants. Hein. Surtout maintenant. Hein. Moi, j'ai 42 ans. Quand j'étais plus jeune, je sais que ces sujets-là, honnêtement. Voilà, il y avait Michel Leeb qui faisait des blagues sur des noirs en disant c'est pas mes narines, c'est mes lunettes. Aujourd'hui, vous faites une blague comme ça, c'est mort. Bon, déjà, c'est pas spécialement rigolo, on va être honnête. Mais à l'époque, c'était drôle. Enfin, c'était drôle. C'était ça, en tout cas, ça passait crème. Hein. Voilà, personne n'était choqué de ça. Mais je pense que personne n'était choqué parce qu'on était beaucoup plus détendu sur le sujet aussi, hein, pour être honnête. Hein. Parce qu'après, moi, dans la vie privée, avec des potes, hein, qui soient antisémites, gays ou tout ce que vous voulez, mais on blague à fond sur ces sujets-là, on n'en a rien à foutre en fait. On blague à fond. Voilà. Bah, parce qu'on se connaît, donc on sait que. Voilà. On sait que c'est que de la blague. Mais bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait un truc, une blague là-dessus, il faut presque dire, eh oh, je blague, hein, attention. Hein. C'est pour rigoler, hein, je pense pas ce que je dis, hein, je joue un personnage. Hein. Très compliqué. Très compliqué. À une époque, on n'était pas obligé d'expliquer ces trucs-là, évidemment. Et c'était, à mon avis, beaucoup plus intéressant de ne pas l'expliquer. Après, les gens voient ce qu'ils veulent aussi. Hein. Très compliqué. Hein. Très, très compliqué comme sujet. Bon, on a avancé ou pas, là? Vous voyez un peu ce que je fais? Attends, on a discuté sérieux 2 minutes, là. Wow. Wow. Truc de dingue. Alors, je continue mes petits fondus, là. Hein, tranquillement. Est-ce que j'attaque maintenant comment s'appelle là? Mon espèce de slip de sortie de l'asile Arkham. C'est orange, hein? Moi j'étais dans l'idée que c'était orange. Hein, Foresti, c'est ça que je cherchais. Foresti, putain, quand on connaît bien Dieudonné, ouais, c'est très très très. C'est jamais cité, hein, mais honnêtement, l'inspiration, moi je la sens. Peut-être je me trompe, hein. Pierre-Emmanuel Barré aussi, très bon. Je connais moins, mais. L'adoption ouais, pour les nuls, Cherukier, voilà, elle est passée Cherukier. Chalut, oh les autres, salut Baxdraft. Mais regarde le chat, nom du Diou. Oui, je sais, excusez-moi, Foresti, bordel, Foresti. Excusez-moi, excusez-moi. Excuse-moi, Lionel, tu le criais, mais tu l'as pas crié assez fort. Voilà. Lionel, arrête, on dirait ma grand-mère quand elle engueulait le présentateur. Énorme. C'est énorme. Énorme. Bon, et alors là, on a avancé. Hein, les copains, on voit bien toujours là, c'est pas trop flou, ça se passe bien, tout le monde est bien, tout le monde est bien installé. Musique, il n'y en a plus, c'est quoi ce délire là? Si, c'est parce que c'est tout simplement très faible. Ok. Ouais, ça dépend des plages, hein. Il y a des morceaux qui sont faibles, d'autres qui passent bien. Eh ben, 18 ans pour percuter, oui, bah ça va. Hein. Lionel Boulot, Mamie Pruneau, sort de ce corps, le cancer, le meilleur sketch de Dieudonné. Ouais, le cancer, très bon, un sketch énorme. Et pas du tout, vous voyez, le problème c'est que se priver de ce mec-là, aujourd'hui, c'est de se priver de sketchs comme ça qui sont des pépites, quoi. Qui sont des pépites d'écriture, de jeu, de comédie, je trouve. Voilà, on s'en prive. On s'en prive parce que ben, on l'a blacklisté. Alors après, il a pas fait ce qu'il fallait pour revenir aussi. Et puis le monde du spectacle, à mon avis, ça doit être un monde un peu pourri aussi. Hein. Faut pas se leurrer. Je pense qu'il. Voilà. Je pense que c'est pas un joli, joli milieu non plus. Alors, maintenant, l'intérieur de la bouche, on va faire ça rose, mais bon, ça, c'est plus secondaire. On va s'intéresser à baser notre slip en orange. Allez, le slip en orange. Est-ce que j'ai un orange qui va bien? Un orange un peu éteint, vous voyez. Pas trop un orange flashy. Donc, je pense que ce orange-là, ça irait pas mal. Ouais, c'est une espèce d'orange marronasse. La fine équipe du 11, pareil, putain, mais c'est très drôle, ça, comme sketch.
Bon, sur le 11 septembre, ok, mais à un moment donné, enfin, rire des sujets durs comme ça, c'est aussi exorcisé, hein, moi je trouve. Donc moi ça me choque pas d'en rire, au contraire, je trouve ça salutaire. Après, ouais, il y aura toujours quelqu'un pour vous dire, c'est choquant, c'est pas un sujet avec lequel on peut plaisanter. Bah si, 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 on peut plaisanter de tout, hein. Patrick Timsit, il avait plaisanté sur les handicapés, il a été obligé de s'excuser. Avec sa fameuse blague sur les trisomiques 21, tu peux, c'est comme les crevettes, tu gardes le corps, tu jettes la tête. Voilà. Avec le corps qui est bon, tu peux jeter la tête, comme dans les crevettes. Bon, honnêtement, c'est drôle. Après, je comprends que ça ait choqué aussi, voilà. Mais je pense que ça a plus choqué des gens qui n'étaient pas handicapés. Ou, enfin, qui n'était pas les trisomies 21, malheureusement, est-ce que tous comprennent la subtilité de ce truc-là? Je sais pas, mais je suis sûr que ça a moins choqué des gens qui vivent ou qui élèvent des trisomiques ou qui, voilà, qui sont en compagnie dans leur cercle familial ou au quotidien, qui s'occupent de trisomiques. Je pense que ça les a moins choqués, eux, que des gens lambda qui sont pas concernés par le sujet. J'ai mon idée, j'ai un peu mon idée là-dessus. Parce que je pense que c'est aussi pour eux salutaire de rire de cette situation-là, quoi. Hein, on peut rire avec, on n'est pas obligé de rire contre. Hein. Bon, philo, là. On va passer en mode philo, les gars. Faux, un orange slip. Bah, je pense que c'est bien, ça, comme orange, non? Hein? Vous en pensez quoi, là? Ça fait orange slip, ça, je pense que c'est... Ouais. Il est toujours là. On va l'appeler comment, la petite mouche? Michel. Michel la mouche. Hein, ça marche bien, ça, Michel la mouche. Petite mouche qui vient nous faire coucou. Bonjour, Michel la mouche. Alors là, coton, parce que pas beaucoup d'espace pour peindre le slip. Donc, risque de débordement. Risque de débordement. Ouais, vraiment pas beaucoup d'espace pour peindre ce slipounet. Donc là, m'en veuillez pas si vous voyez pas trop ce que je fais, parce que là, on est obligé d'être dans l'application la plus extrême. D'ailleurs, j'ai débordé. Voilà, j'ai débordé, mais bon, c'est pas grave. Hop, voilà. Là, le slip, pareil. On récupère le slip par derrière. Touc. Ah, je suis très concentré, donc vous voyez, je déconne moins là, parce que là, c'est le slip. Hein. Donc le slip, ça ne se rate pas. Vous voyez bien comment je peins le slip? Ouais, vous voyez bien. Là, j'arrive à placer la figurine de telle manière que vous puissiez bien voir l'opération peindage de slip. Là, voilà, le vert, on vient. Vous voyez, je viens avec le vert directement alors que c'est pas complètement sec. Je viens saturer la zone de vert. Parce que même si j'ai un peu d'orange, ça va le recouvrir. Alors mon orange est un peu transparent, donc il faudra sûrement que j'y revienne. Je pense qu'il faudra sûrement que j'y revienne. Voilà, je retraite un peu aux endroits où je pense que ça a débordé. Voilà, je viens avec des petites touches de vert comme ça. Là. Tac, 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 tac. Là aussi, là, et voilà. Allez, je pense que nos bases sont faites. La bouche rose, ouais, allez, je le fais maintenant, comme ça on est débarrassé. Une espèce de rose, une espèce de violet, un peu rose-violet, ça va être pas mal, ça, je pense, hein, un rose comme ça. C'est peut-être un peu trop rose, peut-être il faudrait plus tourner vers la chair, je pense. Oh là là, qu'est-ce qu'il est dégueu, ce... Vous avez entendu le sproche, hein? Ça me rappelle une petite gastro, ça. Alors, on va mélanger avec un peu de... Avec un peu de Flayer One, qu'on met par ici. Voilà, moi ouais, j'essaie de faire un rose un peu moins rose. Est-ce que ça marche? Vous voyez un peu sur la palette ce qui se passe? Non, je vais le descendre un peu. Ouais, ce rose là, est-ce qu'il fait bien gencive ce rose là? Ouais, ça passerait, vous pensez? On part là-dessus. Parce que sinon, je trouvais que c'était un peu rose. On peut mettre un peu d'orange aussi dedans. Allez, on est parti. On va se faire la base de la bouche avec ça. Mais il est encore là, Michel, c'est dingue. Hein, vous le voyez passer de temps en temps, j'imagine. Michel, qui aura participé activement à ce live, le début en tout cas. Vous avez remarqué que je n'ai pas supprimé Michel. C'est
Salut tout le monde, j'arrive pile pour le slip, le meilleur moment. Tout à fait, SimSteel, ton bon, avant c'était pas intéressant. Zosby la mouche. Mais oui, mais c'est bon ça, Zosby la mouche, mais bien vu Elisabeth. On va l'appeler Zosby la mouche. Exactement. Moz la mouche, ouais, c'est pas mal, Moz la mouche aussi. Appelle ta mouche Florence. J'aime bien aussi Florence, la mouche, c'est pas mal. Ouais, mais je sais pas si c'est un mâle ou une femelle. Ça déborde orange. Ouais, ça déborde un peu. Ouais, bon, c'est pas grave. Salut tout le monde, j'arrive pile poil pour le slip. Joël Museau, serviteur. Serviteur, c'est pas mal aussi. Zosbi, j'aime bien Zosbi. Zosbi la mouche, c'est rigolo. Allez, Zosbi la mouche. Ce sera Zosbi la mouche. Je partais pour faire quoi? La bouche. La gueule du bestiau. Voilà. Voili, voilou. Voilà. Voilà. À l'intérieur, là, comme ça. Vous voyez? Vous voyez, l'important, c'est de ne pas déborder. Voilà. Allez, ça c'est fait. Hop. C'est un peu trop, peut-être. Un peu trop timide, peut-être, non? Un peu plus rose. Ouais, j'ai peur que ça fasse trop flashy, ce rose. Bon, on reprendra plus tard si on trouve que c'est pas. Ça manque peut-être un peu de rouge. Ça manque peut-être un peu de rouge, ouais. Je vais mettre un peu de rouge sur la palette. Au cas où. Au cas où, au cas où. Tiens, voilà. Cette espèce de deep red, là. On va se faire un petit mélange de ça, ça. Ça me paraît peut-être mieux, ça. Un peu plus soutenu, vous voyez. Hein? Bon, ça se voit pas encore trop pour le moment, mais. Bon, pour l'instant, on va rester là-dessus. C'est pas ça le plus important. Maintenant, on va faire la phase du lavis. Et vous voyez voir que ça va prendre vie. Truc de dingue, hein. Avec un lavis, je pense que ça va bien passer, ce truc-là. Donc, lavis, moi, j'ai quoi? J'ai du Beltian Green, du Astonishing Green. J'en ai deux de vert, je crois. Ou du Beltian Green. Lequel est le plus vert pétant? Je pense que celui-là, c'est le plus vert pétant. Donc, on va faire celui-là. Parce que ce vert-là, il est un peu éteint. Et j'ai envie que ça reste un peu dans le style comics. Donc, on va prendre le Beltian Green. Et après, il faut qu'on trouve aussi là un petit lavis pour faire ça. Ça va être les gars du Séraphine Sépia, ça me paraît pas mal. C'est un peu beigeasse. Ouais, ça va être très bien. Allez, on part sur Séraphine Sépia pour ombrer tout ça. D'accord? Donc, Beltian Green et Séraphine Sépia. Donc, j'ouvre les deux. Je les place dans ma palette humide. Les pots, hein, directement. Moi, je les pose. Je les pose dans ma palette humide, les pots, vous voyez. Comme ça, si jamais ils tombent, bon, je nique une palette humide. Enfin, je nique ma palette avec voilà, avec mes peintures dessus, mais en tout cas j'expose pas ça partout. Et là, je prends pas un beau pinceau, hein, pas besoin. Hein. Voilà, prends le Atnodian. Atnodian. Eh ben, il me conseille le Atnodian. Et j'ai pris le Beltian. Trop tard, je suis parti sur Beltian, je m'en fous, je suis un dingue, j'y vais. Tu prévois les taches foncées de croco sur le ventre? T'as craqué toi ou quoi? Non, je pense pas. Pourquoi? Parce que c'est déjà très texturé. Et je pense que si je rajoute des taches foncées, ça va faire un peu trop d'informations. Et d'ailleurs, avant de le faire, je me rends compte que j'ai pas bien fait le job. Parce que quand on regarde là, vous voyez, c'est pas bien fait là. Donc avant de faire le fifou, on va quand même reprendre un peu cet endroit-là, là. Ici, là. C'est ici. Voilà. 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 Là, on est passé comme il faut partout. Là, c'est bueno. Voilà. Je vais revenir après avec du. Excusez-moi, je finache, mais c'est important quand même de le faire ça proprement. Voilà, là on va être pas mal. Et oui, et là j'avais débordé aussi, c'est vrai les copains, là j'avais débordé avec mon orange. Bien vu les copains. Voilà, allez, là c'est propre,
c'est suffisamment propre pour faire le travail qu'on a à faire. Les retardataires, n'oubliez pas les petits pouces en l'air vu que Chris ne fait pas son taf. Merci Christophe Vignon, mais de toute façon, tu sais quoi, Christophe, je suis toujours craint, toi. Tu sais, Christian, c'est un mec qui était là, il a pris ta place parce que t'étais pas là, Christophe. C'est toi dont j'avais besoin, Christophe. Je le dis pas, mais mon préféré, c'est toi, Christophe. Ouais. Alors, avant de le faire, il faut être sûr que ça sèche. Hein. Je pense que c'est assez sec, les copains. Pour bien faire, j'aurais dû repasser une petite couche de verre quand même là sur la main, là, vous voyez. Je le fais d'ailleurs. Hein. Je vous dis pour bien faire et je le fais. Hein. Voilà. Je le fais parce que c'est quand même important. Ça c'est fait. Allez, voilà, là c'est fait. Allez, on n'y revient plus. On fait notre petit jus maintenant. Avec ça. Donc là, directement, je prends ça. Attendez. Avant de faire une connerie, est-ce que je ferais pas le bidou d'abord? Je sais pas. C'est quoi les copains? Je vais rebaser. Ah, le suspense est insoutenable. Je vais rebaser quand même un peu avant. En orange, mon short. Parce que ce orange, il est trop ledge. Il va falloir plusieurs passages pour qu'il se confirme bien. Alors, c'est le problème de certaines couleurs. Hein. Selon les gammes, hein, vous remarquerez ça d'ailleurs si vous êtes peintre, si vous peignez souvent, que vous avez des fois certaines couleurs dans certaines gammes qui marchent plus ou moins bien. C'est-à-dire, des fois vous dites, tiens, telle peinture elle est couvrante. Je vous dirais oui, mais pas. Ah oui, je vois, c'est là où tu disais que j'avais bien débordé. Eh ouais, ouais, effectivement, j'ai bien débordé, je viens de me rendre compte là. C'est-à-dire qu'il y a des trous dans le costume. Donc, qui dit trou dans le costume dit que c'est la popo verte qu'on doit avoir en dessous. Et vous avez certaines peintures dans certaines gammes qui n'ont pas de couvrance. Bon, voilà. Mais ça, vous le savez, une fois que vous connaissez la gamme et que vous travaillez avec cette peinture-là. Voilà, c'est ça. Et je crois d'ailleurs que si on regarde bien... Ah, et c'est plus compliqué que ça même. C'est-à-dire que c'est un trou, donc il y a un petit filet d'orange qui va remonter, là. Sèche, saloperie. Pourriture communiste. Bon, on y reviendra après. Ça va être trop long d'attendre. Donc maintenant que j'ai fait ça, je mets fin au suspense insoutenable et j'y vais. Alors, on est 40, 21 pouces pour 40 présents, c'est dingue, on est 40, bah bravo, putain, c'est hallucinant, je pensais pas qu'on serait 40. Il y a de plus en plus de... Ouais, c'est ma copine ou c'est ma femme? C'est qui? C'est ma femme. Non, on n'est pas mariés. Elle m'a pas demandé ma main, donc moi, on me demande pas... elle est contente aussi. La moins couvante de toutes les peintures, je crois que c'est l'Army Painter. C'est vrai. C'est vrai que j'ai eu quelques retours sur l'Army Painter. Moi, j'ai jamais trop bossé avec. C'est pas très couvrant. A priori, c'est plus une peinture qui... Alors, du coup, ça va être intéressant peut-être pour travailler les éclaircies, en glacis notamment. Mais ça va peut-être être pas super rigolo pour, effectivement, pour l'autre chose, quoi. Pour les aplats, tout ça, apparemment, ça va être plus tendax. Alors, vous voyez, on fait comme ça. On travaille comme ça. Et on vient taper dans le verre. Et on fait pareil, les encres dans le frais. Vous connaissez les encres dans le frais? Il y a peinture dans le frais et encre dans le frais. On a les deux. On a les deux, les copains. La musique n'est pas trop forte? Non, c'est bon. On a les deux. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que ces encres-là, elles viennent chercher directement les reliefs. Donc ça me permet, moi, de gagner beaucoup de temps. Voilà, d'obtenir un ombrage assez facilement. Alors après, du coup, ça va devoir nécessiter, effectivement, un petit traitement sèche-cheveux pour un peu gagner du temps. Voilà. Voilà, donc dans le frais, vous voyez, on fait ça, là. Là, j'ai ma couleur qui me va bien, ici. Dans le creux de la main. Et sur le dessus, je viens taper mon verre. Et puis, si les deux encres se mélangent un petit peu, c'est pas très grave. Vous voyez, on fait comme ça, on note. Hein, le pinceau, il sert à poser la couleur et il sert aussi à l'absorber. Rappelez-vous bien de ça. Voilà, je me fais une petite tache ici. Vous voyez, là, je trouve que ça va un peu aller sur le verre. Hop. C'est pas grave, je reviens avec mon beige ici, et voilà. Hop, ça vient chercher mes ombrages tout seul.
C'est bueno. Alors après, on va faire ici les cuissasses. Cuissasses bananas. Voilà, vous voyez comme ça vient tout de suite chercher tous les creux de la figurine. C'est super intéressant. Hein, c'est super efficace sur des figurines micro-texturées comme ça là. C'est hyper efficace. Ça permet très rapidement d'obtenir un résultat figurine de jeu de très bonne qualité sans se casser la binette quoi. C'est là le petit trou que j'ai raté, vous voyez. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y a du vert. Ça y est, c'est rattrapé. La moins courante de toutes les peintures. Hein. Mon pire pot, c'est orange, la vache et Army Painter, zéro couvrance. Ouais. Bah déjà que le Army Painter est pas très courant, ça m'étonne pas que. Et que l'orange, de manière générale, chez toutes les gammes, c'est pas une couleur super courante. Comme le jaune, hein. Bah, toutes les couleurs claires. Hein. À part le blanc, parce que le blanc, c'est pas vraiment une couleur. Donc les processus de création de ces couleurs-là. Enfin, de ces couleurs-là, c'est pas une couleur, le blanc, mais. Sont différents. Donc je pense qu'avec le blanc et le noir, en général, on n'a pas de souci, quelle que soit la gamme. Par contre, effectivement, les oranges couvrants, c'est pas facile. Il n'y en a pas des masses. On ne trouve pas ça fastoche, le orange couvrant. Voilà. Après, je viens de tapoter ici, vous voyez, pour aller amener mon truc ici. Là, j'essuie un peu parce que j'ai du vert qui est venu se caler, alors que là, j'en ai pas besoin. Voilà, c'est notre premier travail qui est fait là. Ça marche plutôt pas mal. J'en mets une petite couche ici en tapotant là, tac, pour aller bien chercher les micro textures là qui sont là. Là, ça manque un petit peu là. Donc on vient réparer ça ici. On y va gaiement, hein. Vous voyez. On y va gaiement parce qu'après, une fois que c'est posé, ça se retire, vous voyez, avec le pinceau. Pouf, j'en ai trop mis, j'absorbe. Et puis si je déborde un peu sur mon costume, c'est pas très grave, vous voyez. Qu'est-ce que je m'en bats l'œuf. C'est transparent, si je déborde un peu. À la limite, même ça joint mes couleurs. Mais ouais, les gars. Là, bon, j'ai fait des petites bougnettes, là, vous voyez, il y a du vert qui aurait pas dû atterrir là. C'est pas très grave, ça se rattrape tout ça. Voilà. Donc là, bah, il faut attendre que ça sèche. Les gars, il faut attendre que ça s'échoune. Et après, on fera le slip aussi. Hein. Là, un peu de vert ici pour choper. Tac, le petit trou qui est là. Oh, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ouais, si. Allez, c'est fait de toute manière. Voilà. Là, j'ôte un peu parce qu'il y a du vert qui est venu se mettre. Voilà. Donc là, j'enlève un peu. Avec le pinceau, vous voyez, je frotte. Et j'enlève aux endroits où ça ne me convient pas. Voilà. Et je laisse aux endroits où ça me convient, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà, j'absorbe un peu aux endroits où je trouve que ça a chargé plus que ce que ça devrait. Voilà. Ici, les talons, je ne veux pas trop de vert, mais c'est pas grave, je reprendrai un peu avec ma couleur de base. Bon, et ben voilà, c'est bon. Alors maintenant, petit coup de séchage, de chevetage. Tiens, je vais tenter un peu d'assombrir aussi ma gueule avec un jus de rouge. J'en profite. Cream Carm Sonsringburg, là. Vous voyez, le Carm, le shade, le Carosburg Crimson. Hein, faire ça pour la boubouche. Voilà, j'ai une petite tache de verre, là. C'est pas très grave. Voilà. Ça va être intéressant, ça. Voilà. Voilà, super. Touc. Voilà, voilà. Ça, c'est bon. Maintenant, il faut faire sécher le bestiau. Alors, est-ce qu'il sèche-cheveux? Oui. Est-ce qu'il marche? Non, il n'est pas branché. Donc, on va brancher la bête. Alors, sèche-cheveux, évidemment, c'est pas obligatoire. Chez vous, si vous l'avez pas, c'est pas grave. C'est juste que vous allez devoir attendre. Coucou, c'est moi. Vous allez bien? Salut, vous allez bien? Ça va bien pour vous?
Oh, rigole, rigole. Alors, qu'est-ce que vous racontez de beau? Oh, il est beau le wash orange. Ah, j'ai pas fait le wash orange, t'as raison. Bon, on fera après. Je ferai après. Quand tu fais les bases à l'Army Painter, tu dois facile passer trois fois quelque chose de. Ouais, ça, ouais c'est sûr, ça m'étonne pas. Après, c'est pas mal du coup à garder peut-être ces peintures-là, l'Army Painter, pour faire des dégradés, les copains. Parce que si c'est effectivement un peu transparent, ça peut être intéressant pour faire des dégradés un peu en glacis, quoi, dans l'idée. Joanne, tout à fait d'accord, j'ai pris le 772 pot, ben, je m'en mords les doigts. Ah, ouais. Un peu les boules. Après, essaye de t'en servir pour des choses particulières, comme des dégradés, tu vois. Essaye de te servir du coup de ce défaut comme d'une qualité. Essaye de le tourner à ton avantage. La transparence, ça peut être intéressant, peut-être. Bon, à voir. J'ai jamais, comme j'ai pas testé cette gamme, je ne peux pas trop vous aider, là, les copains. Idem, j'ai reçu le gros set en cadeau il y a 2 ans. Bah, ça me prend de la place pour pas grand-chose. Je fais des glaciers avec, bah, tu vois. Voilà. Ouais, Johan, il en a pas mal aussi. C'est vrai que ouais, moi, je suis pas très à l'aise avec ces peintures-là parce que j'ai pas l'habitude. Mais je pense que si tu prends l'habitude, il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. Je suis le seul à avoir entendu Zosby la mouche dans le micro. Et non, ce n'était pas le tel de Zos. Et aurait dit un podrasseur. T'as entendu? Ah ouais, elle est passée, elle fait comme ça là. Là, j'ai un micro Yeti. Grâce aux tipeurs qui ont participé à l'achat du micro, parce que ça coûte un bras le micro Yeti. Je me suis coupé un petit bras. Mais du coup, ça m'a aidé les tipeurs d'acheter le micro Yeti pour avoir un bon son. Prochaine étape, un petit truc pour capter la palette. Et puis voilà. Et puis voilà. Et j'ai d'autres trucs aussi, mais on verra plus tard. Ce mec est fou. Je ne vois pas de quoi tu parles. Pour le coup, je suis en plein test des Chimera Colors. Ah, et bien j'ai reçu moi aussi et je prépare peut-être une vidéo. J'aimerais bien tester les Chimera Colors, peut-être en live avec vous. Je l'ai reçu, j'ai toujours pas ouvert. J'ai acheté parce que tout le monde en dit du bien, donc on verra. Pas simple, va me demander beaucoup de boulot, mix, théorie, des couleurs, etc. Ah ouais, c'est chaud, si t'as déjà commencé, mais ça envoie que de pigments. Ah ouais, ça envoie, c'est ça taquine grave. À tester, faut que je teste. Faut que je teste, je les ai achetés, faut que je teste. Allez, je sèche-chevette un petit peu. J'en profite pour vous raconter un truc. Ce que vous auriez fait dans cette situation, vous, mais c'est pas sec. C'est bon, séché, hein. On va profiter pour, c'est pas complètement sec, mais on va quand même tenter le slip. Alors, le slip, le slip, le slip. Ouais, le slip, on va se le faire à l'ancienne avec le pot. Je crois que tout le monde, tout bon peintre, se doit d'avoir ce pot dans son set de peinture. Celui qui ne l'a pas n'est pas un peintre digne de ce nom. Je veux parler bien évidemment de la Graxor Shade. Un incontournable, que dis-je? Un passage obligé, une figure de style. Tu n'as pas la Grax, tu n'es rien. On peut s'en passer, sûrement. Qui n'a pas de peau que celui qui n'a pas un pot d'Agrax me jette la première pierre.
Alors, fais-nous une vidéo avec les chiméras, je suis vachement intéressé. Eh bien, on va la faire. Est-ce que ta femme te voit faire tes conneries en vidéo? Oui. Et elle reste. Alors, je pense pas par amour, je pense par peur. Je pense. Et bien que Trespo, tous monopigments, donc à favoriser pour le travail de mélange des couleurs. Et oui, il n'y aura pas de mélange tirant vers le gris caca ou de la perte de saturation. Bonsoir les pintouilleurs, désolé du retard. Bah oui, la gâchette, ça fait là. On attendait plus que toi. Hein. Installe-toi, prends une chaise. On attendait plus que toi. On allait. T'as de la chance qu'on t'ait laissé rentrer, hein, parce qu'on était à deux doigts de. En tout cas, excusez-moi, je rentre dessus. Oh, j'ai l'habitude maintenant. En tout cas, c'est comme ça qu'ils vendent leur bousin. Ouais, non, mais ils le vendent comme ça. Mais je pense que c'est. Je pense que c'est un vrai truc bien parce que il y a des peintres que je sais être hyper exigeants. Des peintres, des vrais peintres pros, hein, pas des clowns hein, comme moi, qui l'utilisent et qui font des trucs, enfin qui en tout cas, voilà, sont dithyrambiques, on va dire en tout cas, et au-delà d'être dithyrambiques, ils l'utilisent. Donc ça vaut tous les discours du monde. Hein. À partir du moment où vous voyez un mec qui taquine au pinceau et qui utilise, il peut vous raconter ce qu'il veut, c'est que ça lui plaît, c'est que ça marche. Pour lui en tout cas. Et moi, comme je suis un peintre exigeant, n'est-ce pas, je pense que la chiméra me conviendra parfaitement. Oui, je fais partie de ces peintres qui sont très à cheval sur la colorimétrie, n'est-ce pas, la pigmentation, l'onctuosité, le médium, la sensation, je dirais la fluidité d'une peinture, n'est-ce pas? Je pense qu'il est important, n'est-ce pas, d'utiliser des peintures qui permettent d'avoir cette fluidité, n'est-ce pas, dans le coup de pinceau. Voilà. C'est pour ça que je peins la chiméra, vous voyez. Je n'utilise pas d'army painter. Plaisanter ou quoi. Mais vous pouvez. On peint avec. Tout est bon pour peindre. Tout est bon. Hein. Mais t'es un mec bon avec des peintures de merde, il fera quelque chose, hein, je pense. Sauf l'army painter. On peut pas faire grand-chose. J'ai de la Grax, donc c'est bien, je suis accepté. Ça va. C'est limite. Notre fameux Giriot. Ah oui, Giriot, très bon peintre, Giriot. Très très bon peintre. Qui a fait un. Si vous êtes. Alors n'hésitez pas surtout déjà à aller voir ses lives. Très très. Enfin, très bon niveau de peinture. Il a une autre manière de peindre que moi qui est plus. Peut-être plus graphique. Enfin, je saurais pas trop dire, mais plus. Enfin, je sais pas, c'est différent. Bref. Et je crois qu'il utilise la Chimera, effectivement. Beaucoup, pas mal en tout cas, enfin il utilise. Pas d'Agrax, je l'ai utilisé pour mon sol. T'as peint tout ton sol de chez toi avec de l'Agrax? Fait beaucoup de peau quand même, hein? Et vu que je ne sais pas l'utiliser, tu ne sais pas utiliser de l'Agrax, mais c'est pas compliqué. Tu prends un bonhomme, tu prends de l'Agrax. Ah voilà, c'est fait. 33 likes, Johan Christophe, vous avez bien bossé, bravo, pendant que je m'envoyais du raisin et de la binouze. Du raisin et de la binouze? Du vin en fait, c'est ça. Tu manges du raisin. C'est pas bon de manger le sucre après 18h30. Il faut penser chrononutrition, Christian. Bon, ça sèche ou pas cette histoire de conneries? Ça brille un peu, mais on s'en fout. C'est pas très grave parce que on va pouvoir rattraper le truc avec du vernis mat après à la fin. Hein, donc on mettra du vernis mat partout. Alors vous voyez mon verre il est un peu coulé là. C'est pas très grave, c'est un style un peu différent de ce que j'attendais. Est-ce que j'irais pas mettre de ça un petit peu là, vous voyez, pour retrouver. Voilà. Donc je me remets une autre couche de comment ça s'appelle? De séraphin. Voilà. Une autre couche de séraphin que j'ai mis là. Et je vais mettre une autre couche ici. De vert. Ici. Là. Pour aller chercher cet ombrage-là. Voilà. Ça me plaît bien. Après, je voudrais que ça sèche comme ça. Donc, il faudrait que je le. Il faudrait qu'idéalement. Je le. Comment ça s'appelle? Je balance mon sèche-cheveux en tenant la figurine comme ça pour que ça sèche bien comme ça. Là, chez vous, je vous conseillerais les mecs de faire
De faire, comment ça s'appelle? De faire un... Je vais mettre un peu d'Agrax peut-être même sur la partie basse là parce que ça se voit moins. Ouais, quoique. De faire un coup de sèche-cheveux en tenant votre figurine comme ça, parce que comme ça permet de faire sécher dans ce sens-là. Vous voyez? L'autre mélange là. D'éviter qu'en fait votre encre se carapate dans d'autres creux, si vous l'avez bien positionné. Voilà, moi je l'ai positionné bien là, ça me plaît bien. Donc j'aimerais bien qu'elle reste comme ça pendant le séchage. Oh, il y a Michel qui a... Non, c'est pas Michel, c'est comment on avait dit? Je sais plus, comment on avait dit qu'on l'appelait? Zorbi? Zorbi la mouche? Il y a Zorbi qui revient. Allez, je la tiens comme ça et je fais un petit coup de... Alors, qu'est-ce que vous dites de beau? Dit le mec qui s'est envoyé de la blonde et du Mr Freeze il y a 2 jours à plus de 21 h. Pas du tout. Je ne vois, je vois pas qui tu parles. Je ne vois pas de qui tu parles, Christian Meyer. Je ne vois pas. Chris, je croyais que tu avais démissionné. Oui, d'ailleurs. D'ailleurs, tu avais démissionné. Donc, je ne vois pas ce que... Hein, voilà. À propos de peinture, quelqu'un connaît-il un blanc qui ne fasse pas plâtre dès le second passage? Oui. Liquitex, Heavy Body. Liquitex ou autre, c'est du Heavy Pigment, Titanium White. Ça, c'est des blancs, mon gars. Plus blanc que blanc, t'as pas. Et plus blanc que Titanium, t'as pas. C'est un blanc déjà très pétant. Et t'as pas cet effet plâtre normalement. J'aime bien le Cold White. Après, tu le trouves aussi ailleurs. Hein. Moi, j'utilise un blanc de chez Model Color. Ça marche très très bien aussi. François Picky, at Johan Museau. Petite prière. Un petit symbole de prière, je crois. Je ne sais pas ce qu'il fait. Peut-être il vénère Johan, peut-être. Je ne sais pas. Je sais pas. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, les copains. Il n'y a plus de musique? Si, il y a de la musique. Je vais et je viens. Je vais. C'est pas sec encore. Hein. Ah ben tant pis, on va continuer. On va continuer. Donc on va prendre un petit pinceau. Et on va prendre du vert clair. Donc notre vert clair, ça va être notre vert de base qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Et on va commencer à éclaircir un peu. Vous voyez, notre bousin. Alors, hop. Donc on va cette fois-ci prendre du vert clair et on ramène les pigments. Vous voyez, comme ça, sur le dessus. Touc. Comme je fais là. Voilà. On ramène, on ramène, on ramène. Voilà. Là, c'est pareil. On va travailler comme ça. On ramène, on ramène. Voilà. Donc, on se fait des petits, vous voyez, des petits jus. Des petits passages, comme ça, en glacis. J'ai juste un peu de vert sur ma pointe. Alors, le souci, c'est que c'est un peu brillant maintenant avec les encres que j'ai mis. C'est vrai. Je reconnais. Je reconnais. Donc, ça va peut-être manquer un peu de lisibilité pour vous. C'est fort possible, les copains. Je pense que ça va se voir quand même un petit peu. Voilà. Et on va travailler comme ça. Voire même, on va se le faire un peu en brossage, je pense. Hein? Vous savez quoi? On va gagner du temps, on va même aller encore plus vite que la musique. Donc ça, j'en ai plus besoin de mes encres. Finito, la sangras et la marinas. Et on va brosser à sec. Brosser à sec avec...
ce verre-là, qui est mon verre de base, d'accord, je vais faire un premier brossage. Donc avec mon verre de base que j'ai utilisé tout à l'heure. Et après, je vais venir faire un second brossage avec ce verre-là, qui va être mélangé. Pourquoi ? C'est du Scorpion Brine, donc c'est un verre qui est très saturé. Parce que si je prends mon verre et que je rajoute du blanc dedans, je vais l'éteindre. Donc comme je le dis souvent, le blanc ou le noir, c'est à utiliser vraiment en dernier recours dans la peinture sur figurine, enfin pour moi. C'est-à-dire, enfin en dernier recours. Je pense que tant qu'on peut, il faut essayer de rester dans la couleur. Les copains. Donc là, c'est pas compliqué. Ouais, je prends un pinceau à brossage. Voilà. Pinceau que voilà, qui n'est pas de super qualité. Voilà, qui était peut-être bien fut un temps, mais qui a fait son temps maintenant. Et qui va nous servir à faire du brossage. Donc là, comme j'ai une figurine qui est hyper texturée, eh bien normalement, ça va plutôt bien marcher. Voilà, donc je dilue un peu. Plusieurs passages. Hein. Voilà. Je fais des allées-venues comme ça. Assez énergique. Voilà, très bien. J'en fais un deuxième. Donc là, j'utilise de la peinture sortie de peau, quasi à sec. Hein. Il ne faut pas d'humidité quand je fais un brossage. Ouais, je frotte sur mon doigt pour voir un petit peu voilà, comment se comporte. Voilà, si je dépose suffisamment de pigments. Et je viens venir brosser comme ça ma figurine. Alors, ça marque pas, enfin très peu. C'est pas que ça marque pas, ça marque très peu. Mais ça me suffit pour le moment, d'accord ? Ça me permet vraiment d'aller chercher des petits reliefs. Voilà. Alors le côté brillant, malheureusement, ça vous l'aurez toujours à la caméra. Moi, je vais le supprimer après avec du vernis mat. Donc il n'y a qu'en photo, je pense que vous verrez un résultat final qui tient un peu la route. Hormis ça, vous allez plutôt voir un résultat un peu brillant, quoi, en fait. Donc ça va pas être très spectaculaire. Mais en tout cas, vous aurez compris la technique. Là, c'est bon. Enfin, la technique. C'est une manière de le peindre, hein, sûrement d'autres. Hein. Voilà, la tétasse, on fait pareil. Allez, donc, je frotte. Donc, c'est subtil. Je ne sais pas si ça se voit même à la caméra, mais ça dépose juste un peu de couleur. Voilà, ici. Et ça me permet... Ah, il y a Zorbi, la mouche, qui revient nous voir. Et ça permet, ouais, de remettre en valeur nos reliefs. Du coup, on gagne en lisibilité là, sur notre figurine. Là, c'est sur la mimine. Voilà, voilà. Parfait. Parfait. On le fait de ce côté, on le fait là. Voilà, si on déborde, pas très grave. C'est un brossage, on s'en fiche. Voilà, là, on est pas mal. Maintenant, on va éclaircir. Donc, je prends cette teinte-là. D'accord. Que je vais poser un peu à côté, qui est un peu sèche, disons. Donc là, je sais pas si vous voyez, non, là, vous voyez pas, là, c'est derrière le chat. Donc on va plutôt venir faire ce truc-là, ici. Voilà, et je la mélange avec ma couleur, ici. Voilà, j'obtiens un truc qui ressemble à ça. Ça me permet d'avoir un verre assez saturé, d'éviter d'avoir un verre qui se désature et qui tourne au blanc. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai utilisé de la couleur, donc un Scorpion Green. Voilà. Tiens, j'essuie un peu mon pinceau. Bien, tiens, ben d'ailleurs, je vais m'en servir pour le brossage, hein, puisqu'il est fait, il est chargé. Tant qu'à faire. Voilà, je commence à un endroit où je suis sûr que je veux déposer de la lumière pour pas qu'il y ait d'erreur. C'est le sueur. Donc je commence doucement, vous voyez. Je me rapproche petit à petit. C'est-à-dire, je suis loin, ça ne marque pas. Voilà, je vous montre, je suis loin, ça ne marque pas. Je suis loin, je suis loin, je suis loin. Hop, mes poils, ils commencent à effleurer. Ça touche. Ça touche, ça touche. Je descends un petit peu. Voilà, je vais choper ici le poignet. Les bois, les petites veines, voilà, et voilà, et là la main elle commence un peu à se dessiner, tranquillement, toute seule, j'ai une figurine texturée, j'en profite, je ne me lance pas dans des figures de style inutiles, voilà, pareil ici, le pied, tac, pas trop parce que c'est le bas de la figurine, là le haut, ici les muscles, intéressant de récupérer un peu, voilà, ici je descends plus léger sur le bas, vous voyez, là j'insiste et là je descends de plus en plus léger, voilà, et j'insiste surtout sur le haut, je le fais là aussi sur la cuisse, hop, tac 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 tac, voilà, je frotte, là je le fais, et je le fais d'autant plus que je suis sur la partie avant de cette cuisse là qui prend la lumière,
Là, je vais faire un peu là aussi. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va le faire sur cette mimine ici. Je pousse un peu l'épaule là qui me dérange. Donc je suis là. Je commence toujours un peu loin. Voilà. Et je me rapproche de ma figurine. Et je fais un mouvement de va-et-vient comme ça. Vous voyez, c'est énergique. Ça caresse un peu la figurine. Et quand je vais comme ça, ça me permet aussi d'aller vite et très, voir, très vite voir apparaître mon vert. Et je le vois s'intensifier au fur et à mesure de mes passages très rapidement. Ce qui me permet de dire stop et d'orienter plus haut, plus bas. Voilà. C'est une technique pour maîtriser son brossage en fait. Voilà. Allez, je replonge un peu ça dedans. Je décharge. Voilà. C'est le pinceau qui me sert à récupérer la peinture souvent hein, dans les pots et à faire mes petits mélanges. Donc c'est pour ça que je peux y aller tranquillement avec ce pinceau-là. Il y a des endroits où vous verrez, ce sera plus compliqué de faire ce brossage-là. Parce que plus difficilement accessible, bah à ce moment-là, je le ferai à l'ancienne, hein, en peignant, hein, pour de vrai. Parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup peint, hein, en fait. Hein, j'ai fait que du jarnac, pour l'instant. Essentiellement. Mais bon, quand ça marche, pourquoi s'en priver? Hein, pourquoi s'en priver les copains quand ça marchouille? Voilà, là c'est bon. Et maintenant, je vais faire un dernier passage de ce truc-là. Pouf! Et il est tombé. Du coup, il s'est éclairci l'aile avec du, il s'est éclairci le manteau avec du verre. Avec mon verre direct sorti de peau. Voilà, celui-là. Voilà, je fais une petite tache là, là. Et donc c'est mon dernier éclaircissement. Il fallait tomber. C'est mon dernier éclaircissement. Musique est pas trop fort, vous me dites. C'est un peu fort, je baisse. Laurent Boucher, le calibre 1, hein, Julien Dupont a lâché, le KGB a pris des actions chez Chimera. Mon FDIFT, mon séjour à l'étranger m'a fait prendre conscience de certaines choses. Oh. Comment travailles-tu les vernis et quelle marque te plaît, Zoz? Vernis, je travaille essentiellement en bombe à la fin quand j'ai terminé. Et c'est du vernis. Amsterdam varnish. Amsterdam. Écoute, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. J'ai pris ça dans un magasin d'art. Écoute, bon, voilà. J'ai pas pris le moins cher, j'ai pas pris le plus cher. J'ai pris un peu l'entre-deux. Je sais plus combien j'ai payé ça. Et ça fait carrément bien le job. Je crois que ceux qui sont un peu à éviter, c'est les. C'est ceux notamment de chez Games, je crois, qui sont un peu à éviter, copains. De ce que on m'a dit. Hein. Bon, voilà. Après, je parle sous le contrôle d'huissier. Alors là, je suis plus doux parce que vous voyez, c'est vraiment pour marquer certains détails. Et il faut pas en mettre des tonnes. Voilà. Ici, ça va marcher si je mets là. Voilà. Là, un peu là. Pourquoi pas là, ici, sur l'avant du pied, essentiellement. Voilà. Oh, vous voyez rien, excusez-moi. Je me suis décalé complet. Là. Là. Oh, on a oublié de traiter cette cuisse là. Mais bon, c'est un peu normal parce qu'elle est un peu plus dans l'ombre. Donc, je vais peut-être la traiter avec un mélange intermédiaire un peu moins costaud. Ah, je l'ai mouillé mon pinceau. Boulette. J'aurais pas dû. Non, ça va. Ça va, ça marche quand même. Voilà. Là, ici. Là. Voilà, je interviens un peu moins. Ici. Voilà, bah je pense qu'on est plutôt pas mal là au niveau des éclaircies. Et il va falloir faire ce travail qu'on a fait là, il va falloir le faire aussi les copains sur le torse. Avec bien sûr d'autres couleurs. Voilà, là c'est pas mal. Là c'est pas mal, là c'est pas mal. Là ici, oh la méchante ligne de moulage qu'on n'a pas fait, qu'on n'a pas traité. C'est mal. C'est mal Zoran, c'est très mal. Voilà. Allez, c'est bueno. C'est
c'est bono, c'est bono. Maintenant, on va le faire ici avec Flayed Flesh, donc notre couleur de base qu'on a utilisée. Hop. Et on va venir ici en brossage aussi. Alors, est-ce que le brossage va marcher? On va voir. On va tester sur une partie ici, voir si ça capte bien. Ouais. Pourquoi pas? For what? Voilà. Je le sens moins le brossage sur ces parties-là. Je le sens moins parce que couleur un peu trop éloignée, un peu claire. Alors, ce qu'on va faire, on va le travailler à l'ancienne. On va montrer un peu du skill, les copains. Donc là, je me mets, vous voyez, une couche de peinture ici, que je dilue un peu, parce que là, pour le coup, il faut que je dilue, parce que je vais travailler ça en éclairci. Donc voilà, là, mon verre, il a bien cramé ici, donc je vais... il a bien séché sur mon pinceau. Je vais nettoyer un peu ça avec de la flotte que j'ai qui tourne là, tremper dans du savon. Oui, j'utilise un savon pour nettoyer un peu les pinceaux. Je sais pas si ça marche du tonnerre, mais bon, écoutez. J'ai pris l'habitude de le faire pour les pinceaux de brossage, histoire de pas trop les garder défoncés. Voilà. Bon, c'est pas parfait, mais ça ira, je nettoierai ça de mon côté plus tard. Allez, on va prendre un pinceau un peu plus fin. Et là, on va travailler en détail. Donc là, maintenant, il va s'agir d'éclaircir ces zones là, d'accord, voilà, voilà, là, est-ce que vous voyez bien? Oui. Allez, c'est parti. Donc là, je vais centrer ma lumière, je vais essayer de la centrer ici sur l'avant, là, ici, d'accord, mais je vais traiter, voilà, uniquement que les micro volumes que je vois. Donc ça va être essentiellement, vous voyez, faire des petites choses comme ça. Ça va être très léger, c'est des petites touches, quoi. Ouais, là, ici, ici aussi, là, tac. Voilà. Laisser disparaître dans l'ombre ça. Donc on va se concentrer que sur ces parties là. Vous voyez comment je fais apparaître petit à petit les... Voilà, là, dans les paumes de la main, hop, des petits traits ici, là, des petits traits ici aussi, voilà, là, on va être sur du petit trait ici à l'intérieur de la main, et encore, ça se voit pratiquement pas, donc on va pas en faire 50, voilà, il y a surtout ici, là, sur le pied, il y a tout cet arrière du pied, là, voilà, qu'il faut que j'essaie de garder un peu clair. Voilà, ici. Là, c'est pareil. L'arrière du pied ici. Là. Voilà, le bas du pied là. Tac. Mélange avec un peu de vert pour faire une transition un peu plus douce. Et j'essaye de faire remonter, vous voyez, la couleur du dessous de mes pieds à certaines parties. Bon, petit effet graphique sympa. Je pense que c'est un petit effet graphique sympa en tout cas.
Bon, là, c'est pas très propre parce que j'ai pas ébarbé comme il fallait. Donc, on va essayer de le faire un peu comme on peut. Ce sera jamais très très clean, mais. Wally Wolf. Et maintenant avec mon verre, je vais venir maintenant attraper les petits détails. Voilà les trucs qui sont intéressants à mettre en valeur. Là, ici. Tac, vous voyez toutes ces petites choses là. Vraiment, j'ai un peu sur la pointe de mon pinceau. Voilà, c'est là, là et là. Voilà, ces petits effets comme ça. Là, il s'agit de pas le faire partout, mais de le faire à quelques petits endroits choisis pour que ça ressorte bien. Voilà, bon, c'est là où vous allez commencer à faire des. Je dirais où vont apparaître vos petits effets waouh quoi. On va dire, oh, dis donc, ça a de l'allure, etc. Patin couffin. C'est là où vous commencez à faire un peu du skill. Avant, effectivement, c'est très facile. Mais même là, c'est pas compliqué. Hein. Voilà, il suffit d'être. Vous voyez, je suis. Voilà, dans la douceur. Voilà, on frotte, on ramène les pigments, on les tire, on les pousse. Voilà, c'est que ça. Que ça. Et on essaye de choper certains petits muscles qu'on va détailler. Parce que c'est joli. Ça a de la gueule. Alors là, ça m'énerve. Il y a une espèce de petite. Voilà. Voilà. Ça y est, là, je suis un peu chargé comme il faut. Enfin, un peu chargé. En peinture, j'entends bien. J'entends bien, les copains. Et là, j'ai de quoi bosser. Donc, vous voyez, j'ai. Un réservoir avec un peu de verre qui remonte, du verre très clair, humide. Et je ramène tous mes pigments dans le même sens pour essayer de créer un point lumineux. Vous voyez, un point d'accroche de lumière. Et de temps en temps, je vais essayer de choper certains petits détails comme ça qui accrochent la lumière. Voilà le genou là, tac, tac, un trait, deux traits. Voilà, des petits effets graphiques comme ça peut être intéressant aussi à faire. Une veine qui traverse tout ça, voilà. Hop. Ça c'est intéressant à traiter. Voilà, j'essaie de faire des petits traits comme ça pour texturer un peu aussi. Voilà. Ici, je reviens sur un peu du clair parce que ça va être une partie qui ressort, qui absorbe un peu la lumière là, je pense, qui reçoit un peu la lumière, cette petite boule là d'articulation au niveau du pied. Je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Peut-être on a des mecs un peu costauds, encore humains, là, qui pourront nous dire les termes techniques là que j'utilise pas. Voilà, les petites boules du pied, là, les petites articulations, c'est intéressant à reprendre ça. Voilà. Voilà. Voilà, graphiquement, on a du coup quelque chose qui commence un peu à ressortir, à prendre un peu de l'allure, quoi. Là, on va le faire ici aussi à certains endroits, pas partout. Voilà, tac, tac. Normalement, il faudrait qu'on soit un peu plus discret ici, puisque c'est. C'est une partie qui est un peu plus dans l'ombre. Donc, normalement, un peu moins exposée. Mais bon, on va la traiter quand même parce que, comme c'est visible, il faut quand même lui donner un peu de variation. Soit pas trop sombre. Histoire que s'il se passe quelque chose quand on regarde cette partie-là de la figurine aussi, je pense. Voilà, là aussi, on va amener un peu de lumière là. Par des petites touches comme ça, histoire de choper les petites boules d'articulation là au niveau de la patte. Bon, ben voilà. Et sur la gueule,
je dirais qu'on va peut-être pousser même encore un peu plus loin parce que c'est le point focal de notre figurine. Donc il faut que à cet endroit-là, bah, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi, parce que c'est là qu'on veut attirer l'attention. Donc je vais essayer, moi, de faire un travail qui puisse attirer l'attention ici au niveau du regard. Alors le regard, je sais pas trop où il est en fait. Je dis ça, mais voilà, l'avant, le nez. Petites écailles là, on va essayer de frotter ça, voilà, pour ramener un peu de lumière encore autant que faire se peut. Après je vais lire un peu vos commentaires aussi, excusez-moi, je ne vous néglige pas, hein. Je suis concentré là. Voilà, c'est où les nonneuils sur ce machin là? Oui, voyez-vous? J'arrive pas à voir où c'est les nœuds. C'est embêtant ça. C'est embêtant ça. Voilà, je frotte bien. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous dites de beau, les copains? Qu'est-ce que vous dites? What you saying to Beau? Chimera blanc et dingue, d'accord. Et surtout super couvrant. Ah ben voilà, ben je l'ai. Yes, j'ai acheté de la Chimera. Scale artiste aussi pour le blanc. C'est vrai, les scales j'aime bien aussi moi. Pas pour tout, mais j'aime bien. Laurent Boucher, lequel de blanc chez Scale 75? Julien Dupont a lâché, le KGB a pris des actions. Ah oui, je l'ai lu tout à l'heure, ça. Grosse galère de vernis me concernant. Vernis Prince Auguste à l'aéro sur une fixe. Séchage interminable, encore poisseux, après 30 heures. Wow! Alors après, est-ce que ça tient? Est-ce que c'est pas à cause de la chaleur aussi? Christian, qui est sur le chat, là, a eu ce problème aussi avec en vernissant ses figurines de Star Wars. Ça a mis très longtemps à devenir sec. Je sais même pas si ça l'est complètement encore. C'est toujours un poil pégueux, c'est très léger, mais ça pégait un petit peu. Je me demande, moi, si c'est pas juste la forte chaleur. Je sais pas. Va et vient très rapide en caressant, moi, je dis ça. Ouais. Mais il a tout compris, Benjamin, là, t'es ça, tu vois. Si tu sais faire l'amour, tu sais peindre. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, GG, merci. Les métaca... Oh, kétacarpaphalangienne. Putain, ça s'appelle les boules du pied. Ouais, on va dire les boules du pied. Tu sais quoi? Parce que là, les métacarpaux, je sais pas quoi là. Je n'ai rien compris. Métacarpette là, je sais pas de quoi tu parles. Pas compris. Métacarpette. Bref. Allez, le cou aussi, des petits machins là, le cou sous là, des petites veines. Allez, des petites veines sur le cou. Poc, poc, poc. Voilà, des petits trucs qui chopent un peu la lumière là, là. Là ici. Là, là, hop, ici il y en a une là, ici il y en a une belle, ici aussi. Bon, voilà. Wally Walou. Est-ce qu'on a besoin d'éclaircir un peu davantage là? Pas trop, hein. Non, allez, un petit peu là. Allez, je mets des petites pointes de verre là, histoire, allez, d'apporter un peu de saturation là, mais voilà, pas plus, hein. Pas plus, pas moins, ça ira. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Notre slip orange, hein, va bien falloir le traiter. Alors là, du coup, on va chercher à le désaturer, nous, notre slip orange. Donc, comment on va chercher à le désaturer? Je pense que on va l'éclaircir du coup avec, bah tiens, avec la même couleur que ce qu'on a utilisé. Allez, on va pas chercher plus loin. Donc, on va reprendre notre orange. Alors attendez, je vérifie juste un truc les copains. On vérifie juste un truc. 37 lecteurs simultanés, c'est extraordinaire. Tout marche bien, vous voyez bien. Allez, ok. Est-ce que vous avez des questions les copains? Est-ce que vous avez des observations, des remontrances, des plaintes, des... Non, je peins ma lumière, c'est intéressant ça. Et ma caméra aussi, je peins ma caméra, c'est intéressant. Intéressant. Ça n'a jamais été fait ça, peindre sa caméra. J'ai pas fait, nouvelle. Voilà, alors pourquoi je mélange ça avec ma couleur? Mon layer flay de flèche, je sais pas quoi là, mon layer que j'ai utilisé pour la peau, parce que ça va le désaturer un petit peu, je pense, donc ça va l'éclaircir tout en désaturant, c'est ce qui va m'intéresser, je pense, pour éclaircir ce slip là.
Et puis je vais aller chercher aussi un peu d'ombrage. Je me demande s'il est assez ombré ce slip là. Est-ce que je tenterai pas, vous me dites les copains si c'est une connerie ou pas, hein, avec... Oh, c'est une connerie peut-être, mais bon. On va tester quand même. J'ai bien envie de prendre un... une contraste genre Snake Beat Laser, serait pas mal ça. Un peu sombre pour voir ce que ça peut donner si je vais taper les creux. Faut que je fasse le test à un endroit où je m'en fous. Tiens, là derrière. Là. Est-ce que ça marcherait ça? Ça marche ou pas? Non. Non, ça marche pas des masses. Du coup, je nettoie mon pinceau et j'enlève. Ça marche pas des masses. Bon, c'est un peu brillant, mais ça, comme je vous l'ai dit, je m'en fous. Parce que je viendrai. Non, alors ce que je vais faire, je vais tenter d'ombrer mon orange. Je vais tenter d'ombrer mon orange. Pour l'ombrer, mon orange, je vais prendre tout simplement un marron foncé. Un peu neutre au niveau des couleurs. Ou un bleu, tiens. Peut-être qu'avec un bleu, il va trop se voir. Je sais pas. On va essayer. On va essayer les deux. On va essayer les deux alternatives. Vous allez voir ce que ça va donner avec un bleu foncé. On va voir ce que ça va donner avec un bleu foncé, voir si ça marche ou pas. Alors, je prends un peu de mon orange. Je le mets là, histoire de tester le machin. Si je mets du bleu, c'est pas mal. Eh bien, on va faire ça. Allez, j'ombre avec du bleu. Voilà, voilà. Alors, c'est toujours plus intéressant d'ombrer avec une couleur. Le bleu, ça marche souvent très bien. Le bleu. En plus, le bleu donne une sensation d'éloignement, donc c'est toujours intéressant de travailler ses ombres avec un peu de bleu. Alors voilà, je vais chercher, vous voyez, mes... Hop, tiens, j'en mets encore un peu de bleu ici. Si je vois que ça vire trop bleu, petite touche de noir. Ça va désaturer en plus le machin. J'en ai du noir là sur ma palette en haut, vous ne voyez pas, mais... J'en ai un peu. Voilà, bah, je le prends là où j'en ai. Voilà. Là, je suis pas mal. Là, je suis sur un marron caca un peu noir qui me plaît bien. Et là, je vais aller chercher mes creux les plus poussés. Donc là, ici. Là, ici. Là. Putain, là, ça va être tendu. Là. Là, je peux pas le faire. C'est trop risqué. C'est trop risqué, les copains. Je vais faire le cucu ici. Vous voyez. Et après, je vais me faire un petit passage de ça. Voilà, on la vit un peu pour l'ombrer comme ça. Là. Voilà, tranquillement, gentiment. En glacis plutôt. Glacis la vie, enfin bref, peu importe. Un truc un peu dilué. Voilà, je me mets ça ici. Allez, ça c'est fait. Maintenant, j'ai préparé mon éclairci en haut, je l'utilise. Là, j'éclaircis un peu. Là, là. Faut pas trop le travailler ce slip là parce que j'ai pas envie qu'il prenne le pas. En plus, il m'inspire pas des masses à travailler ce slibard là. Il m'inspire pas des masses. Bon, voilà. Écoutez. Écoutez. On aura fait ça. Est-ce que c'était la bonne chose à faire? Je ne sais pas, mais on l'aura fait comme ça. Tac, 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 tac. Voilà. Là, j'ai mis un peu en valeur cette espèce de straw, là. Là, ici, sur le dessus, c'est intéressant. Voilà. Là, là. Vous voyez un peu ce que je fais? Non, vous voyez pas trop. Hein. Vous voyez pas trop parce que c'est le dessous de la figue, en plus. Voilà. Bon, et je pense que pour qu'on l'oublie un peu, je vais repasser un petit coup d'agrax quand même sur ce slibar là parce que je sais pas, il me parle pas ce slip, j'ai envie qu'on l'oublie un peu. Hein. Donc on va faire le nécessaire pour qu'on oublie ce slip là. Hop, petit coup d'agrax, notamment là, là. Là et là.
se remet un petit coup, un peu chargé là et là. Voilà, bon, écoutez, on l'aura fait comme ça, c'était bien aussi. On va détailler notre boubouche maintenant. Jamais trop d'Agrax, mais oui, jamais, jamais avec l'Agrax, on fait plein de choses. On va redétailler un peu notre bouche, où on s'est perdu un peu. Là, sur la langue, on a un peu perdu notre langue, vous voyez. Tac, tac, tac. On va vite la retrouver. Donc, ici, ici, ici. Voilà. Alors, on va s'éclaircir ça avec... J'utilise ce que j'ai dans ma palette. Donc, je vais utiliser la couleur peau que j'ai utilisée pour faire le torse pour éclaircir un peu mon rose. Voilà. Ici. Voilà. Et après, on va se mettre des petites pointes de clair ici. Là. Pof, pof, pour suggérer l'effet mouillé. C'est-à-dire que l'effet mouillé, on va, vous voyez, on va carrément aller sur un éclairci assez brutal parce que c'est ce qui suggère l'humidité. D'ailleurs, j'ai besoin de blanc en fait, tout simplement. Donc, je prends un blanc classique Blanco Model Color que je mets dans un coin de ma palette. Bon, là, si je vous voyais pas, c'est pas très grave, c'est une petite pique de blanc. Vous allez voir, je mets ça là. Oh, j'ai fait tomber mon gros Batman. Bim! Oh, il a pris un pet sur le côté. Bon, c'est pas très grave. Ça se nettoie. Ou pas. Je sais pas. Alors, mon petit blanc. Ici. Voilà, j'ai quasiment un point blanc, très rosé, mais quasi blanc. Et on va venir faire des petites... Voilà. Et ici, sur le bout de la langue. Là. Ici une petite pointe de blanc. Voilà, voilou. Donc là, la langue, du coup, elle paraît un peu humide. Hein, normalement, ça marche. Normalement. Un petit trait sombre dans le fond, là. Hein, pour amener un peu d'ombrage. Voilà. La langue, elle est faite. Hein, vous voyez. C'est pas complicado. C'est pas complicado. Sur le dessous, pareil. Sombre, surtout c'est le dessous de la langue. Hein, j'espère qu'il n'y a pas un connard qui va prendre ma figurine et la retourner pour pas en te dire hey, regarde, t'as pas fait là. Eh oh, oh. Hein. On veut voir Batou. Ah, vous voulez voir Batou? Allez, je vous le montre. C'est un repaint que j'ai fait. Pourquoi je l'ai mis sur mon bureau là? Ah, parce que j'ai rangé tout à l'heure, je l'ai posé là. Je vais vous montrer. Un repaint de Batman, c'est-à-dire qu'à la base, c'est un morceau de plastique tout con. J'ai resculpté et j'ai repeint. Allez, je finis ça, je vous le montre. C'est un truc énorme, hein. Ça fait la taille de mon avant-bras quasiment. Là, je vous vends du rêve, les mecs, mais vous allez voir, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il a pris un petit pet. Il faut que je refasse des retouches dessus. C'est pas bien violent, mais il a pris... un petit pet. Les dents, comment je vais faire les dents sur ce machin? Si, je sais. Je sais comment je vais faire les dents sur ce machin. Bah, je sais. Je vois pas où sont les yeux, c'est un truc de dingue. Hein. C'est où les yeux sur ce machin, putain? Si, je crois que j'ai trouvé. Je vais me les marquer en blanc pour pouvoir après les rebosser. C'est pas ça les yeux là? Là où j'ai mis mon petit point blanc, non? Vous pensez comment? Moi je dis que c'est ça là. Non? Ou c'est ça là? Moi je dis que c'est ça là. Ouais. Je sais pas trop. Si, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que c'est ça. Et là, j'ai mis là. Je sais pas si c'est là. Bon, bref. Merci, madame. Merci beaucoup.
J'ai une domestique à la maison, elle m'apporte des trucs. T'as mon cœur. Alors, ouais, je pense que c'est ça, les yeux, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars. Bon, écoutez, on a dit que c'était ça. Eh, mais j'ai un peu de vert, là, encore, sur ma langue, là. C'est quoi, ce délire, là? No vert, no green. This is a langue. In the langue, there is no green. This is a lizard langue. Oh, qu'est-ce que je bouffe comme peinture? Petit point blanc, toujours pour suggérer l'humidité. C'est pas complètement blanc, mais c'est quasi blanc, vous voyez. On n'en met pas beaucoup, hein. Vous voyez sur la langue. Là, on va en mettre un peu le long, là. On va en mettre un là. Et un petit trait comme ça. Voilà, ça suffit. Ça suffit. Pas plus. Pas plus. No way. On va mettre un peu de jaune après pour faire les yeux, hein. Je pense que c'est mieux, hein. La main, là, j'ai texturé ou pas? Non, j'ai pas trop texturé. Allez, on va texturer un peu la main. Oui, je vais vous montrer le Batman. Je sais ce que vous pensez. Vous dites, mais il nous a teasé avec le Batman et il nous montre pas cet enfoiré là. Ça va, je vais vous montrer. Alors, je vais vous montrer, c'est bon. 2 secondes. Pas le faux lac. J'essaie d'éclaircir encore davantage là. Ok. Voilà. Tac, tac. Voilà, j'apporte encore un peu plus de lumière sur ma tête. Pourquoi? Parce que c'est le point focal de la figurine, le visage. Donc il faut que j'amène plus de lumière ici que sur le reste de la figurine. D'accord? Hop, hop. Vous voyez, là, je pose son les yeux, je pose où est la tête, je pose le cucu. Je vais, pour identifier bien les yeux, je vais essayer d'apporter plus d'éclaircissement, vous voyez, au niveau des pommettes là. Voilà, histoire de guider un peu. Parce que sinon, je pense que les gens comme moi diront, mais où sont les yeux? Du coup, je l'aide. J'aide mon spectateur à trouver l'œil. Vous voyez? Je suis gentil quand même. Ouais, enfin, je suis gentil, je suis peut-être un peu con aussi, parce que c'est. C'est un peu trop clair finalement là. Il me paraît un peu. Non? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Écoutez, on est parti là-dessus. Parti là-dessus, on va finir là-dessus. Voilà. Ouais, j'ai un peu moins mis de vert. C'est peut-être plus juste comme ça. Quand même. Là, une petite pointe de blanc, là aussi, là aussi. Là. Voilà. Des petites touches picturales. Voilà, et pour les dents, ben, un peu couleur peau, on va faire, hein, quasiment. Hein. Allez, une là, on va dire qu'elles sont là, les dents. Je les vois pas, moi. Je vais me les faire, puisque je les vois pas. Allez, moi, je dis qu'il y en a une là. Je dis qu'il y en a une ici, et je dis qu'il y en a une là, et une là. Voilà. Puisqu'on ne veut pas me les montrer, eh ben, je les fais, moi. Hein? Une là, une là, une là. Une ici. Une là, une là, une là. Voilà. Allez, je les ai fait mes ratounes. Excusez-moi les gars. On les a fait les ratounes. J'ai jamais fait gaffe au goût perso pourtant. J'en ai bouffé de la Citadelle, P3, aussi, hein. Bah c'est pas mauvais. La plus mauvaise, c'est la. Comment ça s'appelle? La. Moi j'aime pas trop la scale. La scale, un petit goût, pas terrible. Mais les autres, ça passe bien. Là, petit coup de blanc. Petit coup de blanc pour les dents, mais alors une petite pointe, hein, d'accord? Il ne s'agit pas de faire toutes les dents en blanc parce que sinon ça va faire artificiel un peu. Donc on met un petit coup de blanco là. Pof, pof, voilà. Un petit point, quoi. Voilà, ça permet de diriger. L'attention, encore une fois, là j'ai un petit bout de blanc qui a séché au bout du pinceau. Je nettoie bien. Je vais chercher un peu de blanc ici. Et je fais pareil là. Chercher
un petit coup de blanco là, 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 là et là. Voilà, c'est des petits coups de blanc pour justifier, pour donner l'illusion qu'on a des petites dents. Ouais. Bon, on l'a fait comme ça parce que de toute façon, on n'avait pas d'autre choix. Un petit point blanc ici, un petit point blanc là, un petit point blanc là. Ça, c'est pour suggérer l'humidité de la langounette. Bon, bah c'est bon, ça c'est fait. Est-ce qu'on va pousser un peu l'éclaircissement? Vous voulez voir le Batman? C'est ça? C'est ça, hein? Faudrait faire une soirée dégustation. C'est vrai, je suis pas con, ça. J'étais un peu fort, là, sur l'éclaircissement. Pas grave, si j'ai été un peu fort. Grâce à l'étalement, je rectifie. Voilà. Là, j'ai amené un peu plus de lumière. Là aussi. Là, j'ai aussi amené un peu plus de lumière sur certaines parties. Faut bien marquer quand même, hein. Pas d'être trop timide, sinon ça marque pas et on passe la vidéo. Voilà, là pareil hein, sur cette main là, j'ai un peu négligé. Faut que je travaille un peu cette main là, vous voyez. Allez, on va la travailler. Hop ici, j'estime que la lumière vient du haut, donc je vais accrocher tous les petits volumes comme ça. Ça c'est intéressant, ça aussi. Voilà, faire ces petits traits là, là, petit trait là aussi. Ah, quand on veut chiader, hein, le truc, finalement, ça prend du temps. Hein. Bon, et encore, on peut aller un peu plus loin que ça. Bon, faut savoir aussi se calmer. C'est une figurine de jeu. Calmons-nous, les copains. Calmons-nous, calmons-nous. Voilà, il est là. Tac, ici. Voilà. Cette main, elle a encore un petit peu plus d'allure comme ça. Évidemment, paraît un petit peu plus menaçante. Paraît un petit peu plus menaçante comme ça. Allez, dernier petit coup sur les mains et je vous montre le Batman dont je vous ai parlé. Est-ce que vous avez envie que je vous le montre? Je le sais. Oh, il y en a certains qui le connaissent, hein, je pense. Un gros, hein. C'est un gros Batman. Zo, tu fais comme avec une grosse, tu balances de la farine et tu vois où c'est humide. Ok. Ah, Christian, là, il va loin. Il a frappé très fort. Là, il a frappé très fort. Alors, encore un tuto qui fait mouche. Ben, merci. Magnifique boulot, comme d'hab. Allez, je vais au dodo. Bonne nuit, tout le monde. Voilà. Ben, c'est pas fini, ce corps, hein. Tu vois au dodo là, mais c'est pas fini, tu m'excuseras, il reste les petites griffes au moins à faire déjà. Bon, oui, sympa notre Lizardmen là. Hein, on va faire les petits yeux en jaune. Alors, je vous montre le gros Batman. Allez, je vous montre le gros Batman. Mais il va même pas rentrer dans l'écran tellement il est gros. Allez, je commence par le socle. Donc ça, ouais, c'est énorme. Hein. C'est énorme. C'est très gros. Vous ne voyez rien. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Tout sculpté, tout peint moi-même. Ouais. La classe, hein. J'ai voulu faire un effet de feu qui vient d'en dessous. Pourquoi un effet de feu qui vient d'en dessous, me direz-vous? Parce que j'ai fait un Batman. Donc là, c'est une création. C'est-à-dire que normalement, il est posé sur une galette. Moi, j'ai fait ce socle-là que j'ai sculpté, que j'ai peint. Bon, là, c'est j'ai passé plus de temps que pour une petite figurine que je peins comme ça. Hein. Je me suis un peu. J'ai pas été au bout, au bout, au bout, mais j'ai passé du temps quand même. Hein. On peut aller encore un peu plus loin, mais à un moment donné, stop. Mais l'idée, voilà, c'était de faire. Un effet graphique comme ça, là la botte avec l'effet de lumière qui vient par en dessous,
parce que j'estime qu'il est en haut de toit, en haut d'un toit, avec un feu qui vient du bas de l'immeuble. Et j'essaie de raconter une histoire, en fait. C'est toujours intéressant quand vous avez une figurine, d'essayer de raconter une histoire. Après, on remonte, toujours un petit peu des reflets là, pour se la péter, un peu sur la ceinture, un peu sur le gant, et voilà la gueule de Batman. Voilà, donc ça, c'est un repaint total. C'est-à-dire qu'en fait, à la base, vous voyez les petits pets là qu'il faut que je reprenne. À la base, ça, c'est un morceau de plastique qui a deux couleurs, noir et gris. Voilà, moi, j'ai repeint totalement et j'ai sculpté là, là, les lignes de costume que vous voyez là. C'est-à-dire les coutures que vous voyez là, elles n'existent pas normalement. Moi, je les ai sculptées et je les ai peintes. Et après, tout est une histoire de dégradé, de... Voilà. Exactement, les flammes de Gotham viennent lécher les bottes de la justice. T'as tout compris. Voilà. Et il y a des trucs qu'il faut que je rattrape, vous voyez. Des petites traces que j'avais fait là. Bon, après, c'est une vieille figurine, moi, je m'en fiche un peu. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage, parce qu'il est joli. Donc voilà, là, j'avais essayé de jouer sur la texture, vous voyez. Là, c'est plus satiné comme peinture que ce qu'on a là, qui est plus mat. Pour essayer de rendre la différence. Là, ces éclaircies-là, c'est-à-dire que c'est pas la lumière, c'est peint. C'est essayer de suggérer une lumière à la peinture aussi. Voilà. Un gros Batman bienvenu. Ben voilà, vous l'aurez vu. Et visage. Vous voyez le visage, là, on peut passer du temps, hein, sur un visage. Avec les petits points blancs, vous voyez, qui sont placés là, là et là. Les dégradés de vert, un peu de vert, de rouge... Voilà, pour que ce soit un visage réaliste avec une belle carnation. Et surtout qu'on ait le visage menaçant du Batman. Voilà. Allez, on emballe. Retournons sur quelque chose d'un peu plus modeste. Un peu plus modeste. Qui est notre bonhomme, ici. Bon, qui est joli, hein. Sympa. On va faire les petites griffes et puis après on va se quitter là, les copains. Petite griffe et les yeux, je sais pas où ils sont les yeux, putain ça m'intrigue. Je vais regarder 2 secondes sur internet la figurine là, en direct live avec vous, parce que ils sont où les yeux de ce machin là, c'est où, c'est comment ça marche les yeux. Je comprends pas moi, je vois pas où sont les yeux. Alors comment on tape, on va taper Killer Croc, on va voir. Killer Croc Batman Gotham City Chronicle, je crois, hein, le jeu. Gotham City Chronicles. Chronicles, ce sera. Où sont les yeux? Je ne vois pas, les copains. Image. Peut-être voir celle qui a été faite par Martin. Martin Grandbarbe. Merde, c'est pas assez défini, je vois pas. Oh les boules. Ah si, peut-être là. Peut-être là. Non, je verrai pas. Non, bah, il l'a pas fait. Hein. Je vois un copain là qui l'a peint là. Un copain peindouilleur qui l'a peint. Il n'a pas fait les nœuds non plus. Ouais, je crois que c'est compliqué de faire les nœuds là-dessus. Ah, plus en arrière. Lui, il l'a fait plus en arrière, carrément. Là, je suis à peu près sûr de mon coup. Et là, ouais. Bon, écoutez, on va partir là-dessus. Allez, je vais faire 2 petites pointes jaunes pour les yeux. Hein, les copains, on va faire 2 petites pointes jaunes pour les neneuils. On va se faire les griffes. Alors, griffes, je vais vous montrer vite fait ce qui est intéressant à faire en termes de griffes, je pense. On va utiliser un noir brillant, c'est-à-dire enfin, un noir brillant, un noir satiné. Hein, tant qu'à faire, on joue aussi sur les textures et les finitions de nos peintures. C'est intéressant aussi d'explorer un peu ça quand vous faites de la peinture sur figurine, les copains. Parce qu'il n'y a pas que du. Enfin, au-delà des couleurs, il y a aussi la. Comment dire, le rendu fini, quoi, du noir mat, du noir brillant, c'est toujours intéressant. Une fois qu'on a peint, vous voyez, là, par exemple, il y a un rendu brillant. Bon, je vais essayer je vais bomber tout ça pour le perdre, ce rendu brillant. Bomber tout ça. Oh là, faut que je fasse gaffe, ça, c'est mon thé. Moi, je vais chercher de la peinture. Alors, voilà. Donc, ce qui va être intéressant à faire... Bah, ça y est, trop tard. J'ai trempé mon pinceau dans mon thé. Ça devait arriver, hein. D'habitude, c'est de l'autre côté... Je suis habitué comme ça. Ça devait arriver. C'est pas grave. Over the top, on tourne la casquette, on va faire un petit détail. Hein, on fait les yeux, on fait les petites griffes. Là, mode over the top, pour ceux qui connaissent, avec Sylvester Stallone, notamment. Et un mec qui joue son fils, dont tout le monde se fout. Superbe, tu as sculpté avec quel matériau? Milliput. Tout le socle Batman a été fait en milliput. Tout. Ah,
C'est bon, c'est pas bon. Voilà. Alors, on va prendre des petites griffes. Tiens, par exemple, celle-ci, parce qu'on voit pas trop mal. On passe à griffes. Jusque-là. Jusque-là, vous me suivez quand même. Pas me dire que vous suivez pas. Si déjà là, vous êtes perdu, on va pas s'en sortir, les gars. On peint la griffe. Voilà, on essaye de les peindre comme il faut, sans trop déborder. On essaye de ne pas faire le cochon. Bon, là encore, pas simple hein, de savoir où commence la griffe ou machin. Hein. C'est pas une figurine de. C'est une figurine de jeu. Hein. C'est déjà très très beau ce rendu pour la figurine de jeu, je trouve. Celles qui m'ont bluffé aussi, c'est les figurines de Rising Sun, là, que je peins pour un client. J'ai fini le premier clan, là, que j'ai à côté de moi. Je pourrais vous montrer aussi, si vous voulez, avant qu'on se quitte. Tabletop, hein. J'ai pas, voilà, j'ai pas peint un niveau de finition extraordinaire. Mais soigné, quand même, hein. Propre et soigné, hein. C'est le but. Faites appel à un professionnel, les gars. Bordel. Que ce soit, donc, premier niveau de peinture, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, tabletop, ça veut tout dire et rien dire. Il y en a en tabletop, ils vous sortent des trucs. Moi, j'ai envie de dire, c'est de la merde. C'est pas du tabletop, enfin, c'est de la merde. C'est le prix payé pour ce tabletop-là, je trouve cher. Bon, c'est mon avis perso. Hein. Et par contre, il y en a des fois en tabletop, ils vous font des trucs de dingue et ils disent, oh, c'est mon tabletop. Donc, ça veut tout dire. J'ai trouvé une bonne image si tu veux. Ah! Ah, mais ça peut m'intéresser. Mais bon, j'ai trouvé aussi, je crois avoir compris un peu. Alors, une fois qu'on a fait ça, ce qui va être intéressant, c'est, même si c'est petit, d'éclaircir quand même. Donc, on va prendre un gris intermédiaire. Alors, on va pas prendre un dégradé de gris très subtil, c'est-à-dire on va pas passer par noir, gris, foncé, gris clair. C'est tellement petit qu'on va passer par noir, gris et la pointe de blanc. Alors, un gris moyen, voilà, je vous montre ici, on va faire cette griffe-là. Voilà, je fais ça. Donc, j'éclaircis un peu le bout de mes griffes. Voilà, donc déjà là, c'est un peu plus intéressant que si je n'avais pas éclairci le bout de mes griffes. Et après, petite pointe de blanc ou de gris très clair. Le blanc, ça peut être un peu flashy, qu'on va mettre à la base de la griffe. Et normalement, ça devrait faire de la brillance. Hop, vous voyez, je le fais là, là, je le fais là, ici, ici, et ici. Voilà, tout simplement. Et ça fait des griffes brillantes, vous voyez, noir brillant un peu. Si vous voulez soigner l'effet, vous pouvez toujours faire un petit trait. Alors, si vous voulez rentrer dans le côté très précis, là, pour le fondre dans le reste. Voilà, pof. Mais bon, vous n'êtes pas obligé de le faire en tabletop. Hein. Voilà. Mais c'est pour avoir un petit effet griffe un peu plus, voilà, un peu plus accrocheur. Quoi. Ah oui, carrément, Rising Sun, je dois les peindre. Ah ouais. Bon, ben voilà. Et puis après, le but, ben, ça va être de faire toutes les griffounettes. Hein. J'en refais encore là, allez, je fais celle de la pâte, et puis après on va arrêter là les copains, on va se quitter. On va se quitter pour aujourd'hui, mais vous avez compris quoi. On se voit déjà jeudi prochain, d'accord, ça c'est sûr. Sauf bien sûr, gros souci évidemment, ça peut arriver dans la vie, je ne vous le souhaite pas. Mais sinon, on se voit jeudi prochain. On verra ce qu'on peint ensemble. Donc, vous voyez, base de noir, tout simplement, hein, sur les papates. Ensuite, je viens avec un gris moyen, parce que c'est tellement petit que ça vaut pas le coup de passer par 50 millions de dégradés. Donc, gris moyen, vous voyez, même le gris moyen, je devrais attendre que ça sèche un peu plus, là, mais bon. Je fais le bout de mes griffes, avec ce gris moyen-là, petit dégradé, comme ça. Et après, avec un blanc ou un gris très très clair, je viens mettre une pointe à la base de la griffe, non pas sur le bout mais à la base, ici, 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 ici et ici. Voilà, et là
Vous avez normalement une griffe qui a un peu de la gueule, un peu de brillance, qui est un peu plus sympa. Voilà, je vous montre ici en gros. Voilà les copains, vous avez compris. Zos, désolé, mais c'est quoi la marque de ton pinceau, s'il te plaît? Alors, la marque de ce pinceau-là, je trouve que c'est les mieux maintenant en ce moment. Ah non, mais c'est pas celui-là avec lequel je peins. Là, c'est un Raphaël. Raphaël Kolinsky 8404, taille 1. Voilà. Ceux qui sont très bien aussi, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, j'en ai acheté un, c'est les, ils sont peut-être un peu moins chers, mais tout aussi efficaces, je trouve. C'est les comment ça s'appelle? Da Vinci. Da Vinci, très très bon. Tu sous-couches avec quoi? Oh, ben en général, je sous-couche avec mon aéro, parce que ça me fait faire des économies, et c'est aéro, et après des primeurs que tu achètes en gros pot. Voilà. Voilà, bon les copains, est-ce que vous avez des questions particulières? Tiens, je voulais que je vous montre Rising Sun avant qu'on se quitte. Bon, déjà ça, voilà. Ben, on n'aura pas fini. Je suis deg, je voulais faire le socle et tout, mais bon, là, on a discuté, on a un peu. Puis comme d'habitude, hein, on prend toujours un peu son temps en live. On cherche un peu, et puis voilà. On essaie de pousser un peu la figurine. Mais je vais faire le socle et puis je vous la posterai, hein, évidemment. Cette figurine terminée. Bon, voilà, c'est sympa, hein. C'est un killer croc qui a de l'allure, qui est bien menaçant. Voilà, je vais finir ça de mon côté, il reste pas grand-chose. Allez, tiens, je vous montre des Rising Sun avant qu'on se quitte. Voilà, comme ça, vous voyez un peu en tabletop ce que je fais. Vous voyez, alors c'est beaucoup beaucoup de contraste. Je vais matifier tout ça. Mais parce que le but, c'était d'aller vite par rapport au budget du client. Donc il fallait vraiment essayer d'obtenir un résultat satisfaisant, de privilégier les détails peut-être au dégradé de couleur. Mais voilà, on a fait ça. Voilà. Mais bon, pour ça marche. Hein. Il y a celle-ci qui est sympa aussi, là. J'aime bien. Vous voyez comme elles sont pétées de détails, ces figurines. C'est des figurines de jeu. Hein. C'est assez hallucinant hein, pour les figurines de jeu. Voilà, je vais les matifier après. Hein. Elles sont un peu brillantes, mais elles vont être matifiées. C'est du Rising Sun. Il y a quoi d'autre? Il y a celle-là que j'aime bien. J'aime bien la posture. J'aime bien l'allure. Voilà. Ils sont belles, hein, ces figurines de Rising Sun. C'est assez hallucinant au niveau de détails pour la figurine de jeu, je trouve. C'est dinguissime. Bah, je crois que je vous ai montré les trois modèles différents et il y a la chef. Voilà. Bon, après, ça sert à rien que je vous montre les autres parce que c'est trois fois la même figurine. Ça, c'est la chef du clan. Le chef du clan. C'est un peu au-dessus du tabletop, hein. C'est du niveau 1, on va dire. Voilà. Voilà les Rising Sun que j'ai fini de peindre. Il faudra que j'envoie d'ailleurs les photos au client pour qu'il me dise s'il est bon. S'il veut qu'on reste là-dessus, qu'on pousse le niveau de peinture, mais à ce moment-là, il faudra payer un peu plus. Mais je pense que c'est ce qu'il voulait. Bon, ben voilà les copains. Je vais vous faire de gros, gros, gros bisous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je regarde si tout fonctionne bien. Oui, tout fonctionne bien. Vous êtes toujours connectés, donc tout va bien. Donc je ne dis pas bonsoir dans le vide. Déjà, ça c'est pas mal. C'est pas mal de pas dire bonsoir dans le vide. Est-ce que vous avez des questions? Et si vous n'en avez pas, bah, écoutez, je vous fais un gros bisou. Et puis je vous dis à jeudi prochain. N'hésitez pas de liker, partager la vidéo, de faire des commentaires dessus, parce que ça aide à faire vivre la chaîne, à la développer. Et puis si vous en avez la possibilité, il existe un Tipeee, vous donnez ce que vous voulez. Vous pouvez faire mensuel ou alors en une fois, et ça aide évidemment à la chaîne à développer, et ça me permet moi notamment d'essayer de développer des tutos qui prennent beaucoup de temps et sur lesquels j'essaye de le faire, mais comme je veux le faire de manière soignée, j'essaie de faire des tutos montés. Donc ça, c'est pas vraiment tuto monté, hein, c'est du live, mais ça prend du temps. Et si le Tipeee fonctionne bien et que j'arrive à avoir assez de fonds de manière récurrente là-dessus, eh bien, ça va me permettre de vraiment en sortir beaucoup plus et de passer plus de temps là-dessus, un peu moins sur les commandes et du privilégier notamment les tutos. Voilà. Et si vous voulez des cours, des formations, surtout, vous n'hésitez pas. Et services de peinture, vous n'hésitez pas non plus, vous faites appel à moi. Et évidemment, ce sera avec grand plaisir. Bon, ben, je vous fais de gros bisous et je vous balance un petit coup de générique, les copains, parce que vous l'avez bien mérité. Si j'arrive à le lancer.